Ok, nous voilà dans le village. Il est toujours vivant, let's go! Crazy Wolf! Crazy Wolf! Hop. Donc. Voilà, hier j'avais pas mis mon point de respawn ici, il était. Ok. Attends, mais il faut. Et j'ai vraiment. En fait, les shaders me font bugger dans le village. Bonjour Zafil! Aïe, mes oreilles. Salut! Ah, what the fuck? Oh putain! Ah oui, d'accord. Ah oui, putain, ok, c'est pas mal. C'est stylé ce qu'il a fait. Ok. Bon. Il y avait de la neige hier. C'est Pozu qui a fait ça? Stylé, bah ouais, il s'est chauffé. Je sais pas ce qu'il lui a pris, mais tant mieux, hein. Regarde le panneau devant ta maison, vas-y, on va regarder ça. Ah, y'a Kaido aussi. Ok, on est 5. Bon, bah ça va, c'est cool. Merde. Ah, mais c'est la journée. Il fait jour, il fait jour. Attends, tu m'as dit de regarder. Maison de Lord Zafil. Maison de l'homme qui n'aimait pas Basile. Mais qui a écrit ça? C'est pas vrai. Enfin, je l'aime pas, Basile, mais... Parce que Basile, il est... je suppose qu'il est toujours... Il est toujours porté disparu. Je suppose que Basile n'est plus là. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Rip Basile à jamais dans notre cœur. Non, vraiment, à jamais, je veux pas qu'il y soit. Ok, alors il y a Kitko, on va essayer de croiser quelqu'un, on va essayer de dire bonjour à quelqu'un là peut-être, de sociabiliser un petit peu quand même. Malgré tous nos projets dantesques. Oh! Ok, y'a personne. Et par contre, en vrai, c'est sympa ce qu'il a fait. En vrai, c'est sympa ce qu'il a fait, mais vas-y, y a trop de mauvaises herbes, là. C'est un truc de ouf. Enfin, les trucs, là, de deux blocs de haut, c'est chiant. J'ai rêvé que tu faisais un live sur Minecraft. Bah, ça tombe bien, parce qu'en ce moment, on live tous les jours sur Minecraft. Non, mais c'est moi, y a personne, on se fout de ma gueule. Y'a personne. Dans le coffre au bout. Ok. Parce que j'en ai besoin pour un petit projet. Ah hey, toi aussi tu lags sur le serveur ou pas? Non, pas spécialement. Oh, ah bah y'a un animal en détresse. Je vais aller le caresser. Oh, bonjour Zafi. Oh. Attends, t'as fait quoi là? Bonjour. Salut, salut, salut Kaido, bonjour. Salut, ça va? Salut Pozu, bonjour. Bonjour. Comment va-t-il? Prends ta merde. C'est des graines, c'est Pardon, super bien. Je veux bien. Vous êtes fermier, donc je me dis peut-être que. C'est vrai. Merci, ça fait grave plaisir. Puis, apparemment, vous aimez pas les dons ici. Si, si, tu, ça fait grave plaisir. Tu l'as jeté derrière. Attends, je vais te la repasser parce que tu l'as fait tomber. Ah, yes. Tiens. Hop. Dans la poche, merci. Ok, ça fait plaisir. Comment il va celui-ci? Ça va, c'est toi du coup qui a fait tous les petits chemins là? Ouais, j'avais rien à faire ce matin. Très très sympa. Juste un peu trop de mauvaises herbes à mon goût. Bah, je trouve que c'est ok, non? Ouais. Parce que, bon, on dit mauvaise herbe, mais c'est de l'herbe. Ouais, mais il y en a, elles sont vraiment très grandes et elles sont de deux blocs de haut. Et du coup, quand tu marches, bah, tu... C'est quoi là-bas, ça? Quelqu'un a fait un truc? Ouais, je commence une. L'entrée d'une mine. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est stylé. Et je vais faire une forge dans le truc express. Ok, d'accord. Une forge? Voilà. Ouais, genre vraiment une. Ouais, genre tu sais, un moment on passe dans une grotte gigantesque. Je n'ai jamais pris le train. Oh, prends-le. Ok, chef.
Vraiment, on m'a dit de le prendre là, je l'ai pris, c'est. J'ai jamais vu une grotte aussi grande, genre. Le casse pas. On est à un arbre de la jungle. Et l'entrée, bah tu connais l'entrée du coup, tu sais où elle est. Ouais, à côté de la mairie. Ouais. T'as vu le petit ponton et tout Ouais, j'ai vu, c'est stylé. en mode cocooning ou quoi? Vas-y, Tu tu m'as peux pas entendu, montrer. j'étais trop loin. En mode cocooning ou quoi? Faut que tu montes l'entrée là de. Vite, vite, T'as vite. vu t'as vu Tu vois les la mauvaises herbes là, il y en a trop là. Regarde, je suis là, je vois plus rien. Oui, pose où, t'es où? Je te vois plus. Oh, l'américain! Oui, bon. Ah, j'avais pas vu ça, c'est très mignon. On pourrait se poser Merci, toi là. aussi. Bah oui. Je parlais du Et spot. moi, là. Hop, je suis assis là. Et là. Hey, mais attends, on peut pas faire cuire des aliments dessus en plus? T'as pas un steak cru là? Suis pas sûr. Ah, ok. Je croyais qu'on pouvait. Tu penses en le lançant dessus? Non, en clic droit dessus. Oh! T'as vu, mec, c'est trop stylé! Mais quoi? Et là, on Bah peut go les vraiment faire laisser une en petite déco. soirée, quoi. Mais non, je crois que ça va cramer, non? Je crois que si tu les Bois. laisses trop longtemps, ça fait du charbon ou un truc dans le genre. Aïe! Ah je vois ouais du charbon de bois. Et Et pas du pas du charbon charbon de, tout ste de court. steak, de. Ouais et l'entrée du coup. Tu. Mais du coup, tu vois, c'est stylé. Parce que du coup. Ah, c'est stylé parce que tu t'as pas besoin de. De Oui mettre c'est de vrai de charbon et four au tout. final ouais. Ah oui, bah oui, c'est économique. Et apparemment, ça saute automatiquement. Ah oui, voilà. Ok, bah c'est bien doux. Bon, après, tu peux en mettre que 4, quoi, mais. Bah ouais, mais ouais, c'est vrai que niveau charbon, c'est économique. Vas-y, montre-moi. Du coup, regarde, j'ai fini ma salle aussi. Oh, les petits Complètement. escaliers. Ouais, j'étais allé voir hier, du coup. Tu m'avais dit d'aller regarder. Mais il n'y avait pas le toit et tout, je crois. J'ai pas fait. Ah, ouais, Il peut-être y pas. avait quoi exactement? Il y avait l'épée, tout ça, l'épée en or, machin, ouais. Ouais. Je sais plus, je sais plus. Ok. Bah Mais très voilà. stylé, très très cool. Et ben merci beaucoup. Et du coup, là, on a parlé avec, avec Thomas. Et ces deux trucs-là, on va les retirer. On va mettre des barreaux. Et on va faire une toute petite cellule. Comme ça, pendant les jugements, là, et ben Ok, d'accord. le jugé pourra. Il se met là, ok, d'accord, je vois. C'est Ouais, stylé. et puis il pourra entendre tout ce qu'on dit quand même. Il a grave tryhard, mais ouais, c'est Et clair. du coup, bah C'est un gros l'entrée elle est juste à geek. côté. Oh. Ok, d'accord, stylé. Et donc toi, t'es au chômage, c'est ça? Alors pas du tout, mais du coup je peux jouer au travail aussi. Ok, Donc d'accord. c'est Oh parfait. putain, trop stylé. Oula. Ah, mais les tableaux, c'est genre des pubs du métro? Ouais, je pense. Ah, c'est stylé du coup. Bon, ils sont pas très beaux, mais c'est stylé. Oui. Et puis ça manque un poil d'éclairage ici quand même. Genre ils ont forcé. Mais je pense que du coup, genre là c'est juste une torche. Ils avaient, je pense, plus de lanterne. Ouais, c'est dû faire à la va-vite, histoire de. Ouais. Du coup, bah je t'invite à cliquer. J'essaye de te Oh suivre au plus oui, vite. avec la musique. Ah oui, je dois avancer. Let's go! Vite, 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 vite. C'est bon, c'est bon. Ok. Ok, donc ça j'ai jamais vu, j'ai jamais fait et tout. Mais moi non plus, je l'ai fait vraiment ce matin et tu vas voir, ça va être énorme. Ok, on va voir. Tu m'entends? Ouais, je t'entends! C'est lui, Zazur. Bon, là ça me vend pas du rêve. Après, c'est un métro. Ah bah, il m'entend plus. Ah merde! Ah ouais, des fois on s'entend Attends, plus. attends, Ouais, attends! tu vois. Oh! Flo! Flo! Attends-moi! Non, Flo! Comment on casse son truc? Je peux pas le casser. Oh, what the fuck! Ok, c'est flippant. On peut se prendre une flèche à tout moment là. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Oh merde. Oh. Ok. Bah, c'est très sympa. Oula, oula. Il galère un peu là. Et là, on est arrivé. Merde, merde, merde. Non! Flo! 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 Oh
Oh merde, il est parti à une vitesse. Oh, mais wesh, il est parti si vite. Oh. Attends, attends. Il est où Flo? Il est où Flo? Je me fais détruire la gueule. Attends. Merde. Mais attends, il a disparu. Ah bah il revient en plus. Bah oui, du coup. Ah, merde, il est encore parti. Oula! Oh putain! Oh merde! Ok. Bon bah très sympa le métro. Je prends un petit peu du jus de fraise. Ok. Désolé. Ouf. Oh pas de problème. Et du coup... il est où? Là. Hop. Les gars. Ouais, ouais. Il y a Raph qui vous cherche et en fait j'ai perdu une mauvaise direction comme un con. Ah, mais... Par plein nord. Vraiment, c'était à 30 secondes qu'il est venu me demander. Par plein nord, 1000 blocs et ils y seront. Il est où là? On était en date. Ici, vers l'est. Vers là-bas quoi. Bah en soi, c'était pas par rapport à lui, on était vers l'est. Hein. C'est qu'il est à gauche, il est à gauche. Où ça? Derrière je sens la minimap, du coup je vois plus. C'est bien ça. Je crois que je vais la retirer aussi. Ouais, on devrait tous la retirer. C'est bien ce qu'il me semblait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? T'es où? Oh mon dieu. Alors grand bonhomme. Waouh. Waouh, alors ça TP à lui plus ton cri. Je l'ai regardé dans la cave là du Crazy Express, mais je m'attendais pas qu'il me suive autant. Bah oui, je voyais une bulle jaune se TP genre derrière toi à chaque fois. Il a dû choper un truc. Vous allez bien? Ça va très bien et toi mec? Ça va et toi? J'ai pas l'impression que ça. Non, en fait, je cherche surtout Actuan. Ah, bah il est. Mais je sais pas, je me suis dit que vous étiez peut-être avec. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Nous, on était en date. Où? Non, rien. Étrange, Pozu. Étrange, ouais. Étrange que tu as dit. Ah. Oh, Raph, t'es sérieux? Bah, t'es un mytho, frère. Allez, c'était une petite blague. C'est Raph qui est ici. Qui m'a frappé et du coup j'ai atterri derrière lui quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Allez sors. Je me sors. J'aime me flageller. Allez. Non je sais pas où il est Thomas, j'ai toujours pas croisé hein, depuis le début. Ok bah je vais chercher en dospi. Merci. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Je sais pas, un truc d'enterrement. c'est Emma. Je vois que ça. Faut que je désactive la mini. Tu veux pas. Comment monter, elle la désactive? Y. Comment... Salut Corail. Ah ouais. Ah ouais. Et viens, j'ai envie d'aller voir le. Mais truc là-haut. Tu sais que. Je suis monté tout en haut un jour. Il y avait un des frères Goblini. Il arrive. Je lui ah dis oui, ouais, c'est quoi? Oula. Bah. Wesh frère. Bah... Bah... Qu'est-ce que tu fais là-haut, là mec? Tu fais quoi là-haut? Qu'est-ce que tu fais là-haut? Bah j'étais en train de chill chez les Goblini. Comment ça chill chez les Goblini? Qui fait ça? Bon. Enfin j'en ai parlé à Zafil et Raph hier, mais j'ai des problèmes avec les Goblini. Toujours? Mais bah, toujours oui, je pense. J'ai toujours des problèmes avec eux. Ah des problèmes, ok, je crois que tu... Autre chose. Non. Comment ça autre chose? Et du coup, qu'est-ce que t'essaies de les cambrioler là ou quoi? Comment ça entre choses? Non, j'essaie pas de les cambrioler, mais j'essaie d'avoir des informations sur eux parce qu'ils m'ont baisé la dernière fois, ils m'ont douillé.
et du coup j'essaie de choper des informations pour les faire couler. Comment ça, autre chose? Moi je comptais aller visiter le petit resto de toute façon. Moi je comptais vous demander comment ça autre chose. De quoi comment ça autre chose? T'as parlé d'une histoire avec les frères, oui. Et Zafil a dit ah je pensais que c'était pour l'autre chose. Non, je pensais que c'était autre chose. Tu pensais que c'était quoi? Bah autre chose. Ça vous dit de faire une giga carte derrière le bureau du maire? Ouais, grave. Avec le village au milieu et du coup bah tous les alentours autour. Comment ça une carte? On m'a dit que si on mettait plein de cartes au mur, et ben on pouvait faire une grosse carte géante. L'estomac dans la sauce. Ben, en vrai. Ben, moi j'ai mieux. Ça vous dit pas que dans le commissariat je fais un sous-sol? La salle des renseignements. On fout une grande carte là-bas et comme ça on peut traquer les gens. Thomas. Oui, pourquoi pas. Genre la carte. Oh. Pardon. Je suis pas un zombie moi. La carte c'est mieux qu'on la garde secrète. Ah, je vois. Je vois. Des gens. On peut les suivre en direct sur la carte et on peut les mettre dans la merde. Je suis pas sûr qu'on. On peut voir le déplacement? Bah, je pense si t'as la carte. Pour moi, c'est juste une cartographie de la map. Je pense aussi. Parce que moi, en fait, il me faut de toute façon. Salut Anna. J'ai besoin de personnes en plus. Salut Moka. Je suis tout seul en tant que chef de la police et c'est trop compliqué de tout gérer. Ah, salut Raph. Bonjour, ouais, juste Raph. Nous. Yo. Ok. Oh, wesh, ça va? Ouais, je suis pas censé être là. T'es sûr? T'es sûr, ça va? C'est vrai que t'es un peu une flèche dans le crâne, mon gars. T'es sûr, ça va? Attends, quoi? Non, il a spawn. Je suis pas d'accord. Je suis pas. Mais je... quoi? Il m'arrive que les malchances du monde. C'est quoi ça? Ah non, il y avait le livre des subs dedans. Les amis, il a. Wesh. Attends, Pozu, il a pris ton XP, hein. Raphaël en a pris! Mais c'est bon, pas, je m'en fiche de mon XP. Frère. Quoi? J'ai vu. Non, mais je sais qu'il est le XP, il meurt tout le temps! Comment oui, tu veux qu'il garde de l'XP? J'avais pas beaucoup d'XP, les gars, de toute façon. Mais pourquoi on n'a pas entendu? Tu peux récupérer? Faut fermer, faut reboucher. Quelqu'un de la terre, faut vraiment reboucher. Parce que ouais, on est d'accord. Ah oui, ils vont savoir. Ouais, j'ai de la terre. Les gobelins, ils vont savoir. On est d'accord, il a spawn devant nous, le bug. Je t'éclaire. Bah, je te jure, j'ai même pas entendu péter. Hein. Mais ouais, mais. C'est tout? Yeah! Et c'est tout, j'ai que ça. Ah, mais j'ai eu trop peur. Oh, madre mia. Attends. Venez, on va. Attends. Quoi? C'est quoi ça? Wesh. Oula. Bah attends, le creeper? Il a fait un gros. Mais le creeper est de l'équipe de la sécurité ou quoi? On est sous le restaurant là en fait. Bah oui, mais qui a ça sous un restaurant? Il y a des blocs de fer. Attendez, les gars, go voir le resto vite fait. Ah ouais, il y a des big blocs de fer, trop bizarre. Aïe 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 aïe. Oh les gars, what the fuck? Attends, j'arrive. What? J'arrive. C'est quoi ce truc? Pousse-toi. Les gars, c'est quoi? C'est quoi ce truc? Bon, les gars. Non, t'es au courant? Fermez votre gueule tous les deux. Fermez-la avec Raphaël aussi. Les gars. Quoi? Quoi? Putain. Quoi? C'est quoi cette merde? Bon, de toute façon, je voulais vous en parler. Attends, oui, vas-y, c'est bon. On a même plus de chef de la sécurité. Non, attends, Pozu. Non, y'a pas de attends. Je veux rien entendre de plus. Mais j'explique. Les gars, déjà. Ok, bon, regarde, wow. c'est la salle des coffres. Ok, les gars. Venez, on referme comme c'est Trinité, on sort, je vous explique au commissariat. Au cas où c'est un goblin se connecte, Attends. Bizarrement, t'as intérêt d'avoir un très bon argument quand même. Attends. Je vous explique. Ils ont pas fait ça. De quoi? Putain, Thomas, il est pas content. Y'a vraiment une lumière rouge qui clignote? Où ça? Mais je vois une lumière rouge qui clignote quand je bouge. Non, ça doit être le shader. Ok. C'est quoi? Par contre, attends, juste la proba, frère.
Il y a c'est... un. C'est vrai que. Il y a un creeper qui spawn. Mettez le bloc de quartz pour refermer. Moi j'ai pas de bloc sur WAM. J'ai deux blocs de fer. C'est des blocs de fer. Ça... Ouais. Je trouve ça quand même ultra bizarre. Ah oui, tiens, Flo. Oula. Ah merde. Attends. Si. Mais encore. Mais attends, j'arrive, je vais chercher. Oh oui. Let's go. Oh oui, incroyable. Basket. Je trouve ça quand même bizarre d'avoir autant de fer sans fer ma fer. Mais non, c'est pas du fer, c'est un bloc de quartz. Non, alors, c'est ce, du que fer, j'ai, ce que j'ai dans les mains, tous ceux qui sont. Toutes les rayures fer, là, c'est du bloc de fer. Hein. Toutes les rayures, c'est du bloc de fer. Ah ouais, c'est les blocs que j'ai pété moi. Mais attends, mais il manque un bloc, hein. Non. Non, je pense c'est si, que si, il l'a mal. C'est pas grave, mais ils l'auront oublié, vous inquiétez pas. Non, je. Mets de la terre à la place. C'est pas visible au-dessus. Tiens. Ah non. Ah non. T'es si haut, bordel. Mais non. Allez, Thomas. Putain. La tristesse. C'est bon, ils ont fait une bite sans faire exprès, pardon. Mais c'est pas moi qui l'ai pris. Oh, tiens. Oh. Ouais, j'avoue que ça irait plus vite. Voilà. J'avoue. Mais, ça vient. Mais c'est pas cobalt. Bon, j'y vais. C'est fou ça, c'est fou, wesh. Ok, bon, les gars, on se mine pas une trace. Oui. Dans tous les cas, tes explications ne pourront pas me convaincre. Dans tous les cas, le creeper est plus sincère que mais, Thomas. Mais si, je vous jure que si. Passez, messieurs. Bah, on je jure que non. Je jure que non. Le chef de la sécurité. Qui traîne avec la mafia. Pose où, je vais t'expliquer. J'ai expliqué à Raph et Zaf déjà, parce que j'ai besoin de renfort, j'étais dans la merde avec les goblins, mais là je vais t'expliquer. Ah oui, et voilà, donc moi on va m'expliquer en dernier, parce que j'ai découvert... Non. Bah oui, mais oui, mais c'est et après, que... moi je savais pas c'était quoi le coffre-fort et tout, je savais même pas que c'était là. Hein. Oui, bah justement, il faut que je vous explique. J'ai l'impression qu'il stresse un peu, Thomas. Y'a qui sur le serve? Rafale, Actuan, Kaido, Pozu et Wam. Ok. Oula. Oh waouh. Oh oula. Oula là. Vas-y, oh. Non, j'attends un peu. Il a l'air d'avoir la guerre en bas. Ok, c'est bon peut-être. Les gars. T'es quand même le seul en diamant, mais vas-y, tranquille. Concernant ce que vous avez vu. Là, quand Zaf et Pozu sont... Oh là, bon, attends, j'explique à Pozu parce qu'il est pas au courant de toute l'histoire. En gros, Pozu, j'ai fait un deal avec les Goblini avant-hier. Enfin, un deal. Tu vois, je suis agent de sécurité. Ouais, ça parle de deal avec les mafieux. Non, je suis chef de la sécurité. Et en gros, les Goblini m'ont montré une salle des coffres. À l'époque, elle était dans leur... j'avoue, Inoshi, je suis pas allé voir. J'ai pas envie de t'en regarder. Ils m'ont montré la salle des coffres. Il y a rien d'illégal. Ils ont une salle de coffre, donc bah ils ont le droit, tu vois. Oui, il y a rien d'illégal. Ils ont juste tout le fer. Et l'argent, vient d'où? L'argent vient d'où? Je sais pas d'où vient l'argent, mais ils ont une salle des coffres. Ah. Mais les gars, pourquoi ils spawnent tous là? Bon bref, ils ont une salle des coffres. Donc j'avais une mission. C'était de la garder. Ils avaient besoin d'un agent de sécurité. Mais mon ref. Attends. Non mais. Ok. Voilà, ils besoin d'un donc tu travailles pour les Goblini. Ben moi je savais pas qu'ils étaient dans l'illégal les Goblini, je suis revenu de formation, il y a un groupe influent qui est là qui m'ont demandé de surveiller leur coffre, j'ai dit oui. J'avais besoin d'argent. Et la rémunération était de 1 diamant par jour. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai travaillé pour eux pendant 10 jours. Et à la fin des 10 jours, j'aurais demandé la rémunération. Et là ils m'ont dit ah non, on a mal compris et tout, ils ont refusé de me payer en gros, mes 10 diamants. Ah oui, donc là, c'est vraiment des mecs genre droit quoi. Ouais, bah ils sont voilà, tu vois. Bah non, mais du coup, ouais, je savais pas que c'était des crapules, mais bon, bah maintenant voilà, je le sais. Et donc je les ai menacés, j'ai dit soit vous me donnez des diamants, soit je divulgue l'endroit de la salle des coffres. Et ils m'ont dit, ouais, donc, c'est ça, on verra. Donc en gros, soit t'étais un pourri, soit juste ils te payaient pas et t'acceptaient. Et tu faisais mais, ton mais, travail. Mais non, mais c'est un travail comme un autre, je surveille une salle des coffres. Mais ils ont voulu t'arnaquer déjà une fois. Non, oh là, t'as des boulons dans les poches. What the fuck, c'est quoi ce bruit? Y'a une canette, qui est tombée au-dessus ou... Il a des boulons dans les poches. Non, y'a rien. Pour ce qui s'est passé au début sur le serveur,
l'histoire de corruption et tout pour la mairie là. Ils ont été jugés pour ça, ils ont purgé leur peine. Donc là on est reparti sur des bases plus saines, voilà, c'était bon bah je devais surveiller un coffre-fort. J'ai fait ça, ils m'ont arnaqué. Ils ont voulu jouer au con avec moi. Je les ai menacés de divulguer l'endroit de la salle. Oui, on a vu 4 followers sur Twitch, merci beaucoup. Le lendemain, je me connecte sur le serveur. Je vais pour voir si la salle des coffres est toujours là. Elle a été déplacée, ils m'ont laissé une pancarte avec écrit ratio. Mérité. Là, ça m'a énervé. Bah, mérité. Je me suis dit, ok, là, ils sont pas plus malins que moi, ils veulent se jouer de moi. C'est tout. Et hier, je me suis baladé dans leur restaurant pour visiter. Et il y a en bas, il y a une salle de. Bah, avec des tables, et il y avait un tableau. Je me suis dit, vas-y, derrière le tableau, il y a peut-être un truc. Bon, il n'y avait rien derrière le tableau, j'ai essayé de passer à travers, il n'y avait rien. Je me crois chez moi. J'ai miné un bloc à côté du tableau, et là, je suis tombé du coup sur la salle des coffres. La nouvelle salle des coffres forts. Donc là, c'est une grosse trouvaille, parce que bah, j'ai envie de me venger d'eux. Et là, j'étais content d'avoir découvert la nouvelle salle des coffres forts, surtout que celle-là, bah, elle est bien plus grosse et bien plus imposante. Hier, elle n'était pas aussi avancée que ça. Et en gros, là, quand vous m'avez attrapé avec Zafil, c'est parce que j'y suis retourné voir si elle était toujours là. Et du coup, elle était toujours là. Et donc c'est là que vous êtes arrivé et que vous êtes tombé sur la salle des coffres. Mmh. Mais là, j'ai plus de business avec les Goblini et justement, je cherche un moyen de les faire tomber. Mais là, t'es le chef de la sécurité. Déjà, comment ils ont eu tout ce fer? Ah bah ça, je sais pas comment ils l'ont eu. Mais justement, je vais les faire couler pour ça. Leur première salle des coffres, c'était vraiment cheap par rapport à ça. Il y avait pas de blocs de fer, c'était des blocs de quartz. Il y avait pas de truc aussi tape à l'œil. C'est pour ça que j'ai pas tilté. Parce que pour moi, voilà, ils voulaient juste que je surveille leur salle des coffres, mais il n'y avait rien de tape à l'œil. Là, c'est vrai que la salle-là, c'est abusé, il y a beaucoup de blocs de fer, je sais pas où ils ont eu toute cette richesse. Oui, c'est du RP. Moi, j'ai deux... Comment? Bah, peut-être dans mes coffres et dans ceux des villageois, en fait. Bah, non, moi, je pense... Ibs a beaucoup de pouvoir sur ce serveur, quand même. Il a plus que ce qu'on pense. C'est un des hommes les plus influents, il est très riche. Il gère que les express, et il a le monopole sur le fer. Pour que les Goblini puissent avoir eu autant de fer, ils ont dû passer par Ibs. Donc Ibs, je pense qu'il n'est pas tout clean. Hein. Ibs, il a quelque chose peut-être à voir avec les Goblini. Ok. En fait, c'est pour ça, je suis tout seul et tout, mais j'essaie de mener mon enquête. Mais c'est compliqué, j'ai pas d'acolyte. Et c'est pour ça que j'en ai parlé à Raph et Zafili hier, parce que j'aurais bien aimé avoir des gens en plus avec moi. Parce que là, c'est un projet assez conséquent quand même. Il faut monter un dossier, il faut avoir des preuves suffisantes et faire tomber les Goblini. Donc oui, ça part d'une une sorte de vengeance personnelle, mais d'un autre côté, je pense que les Goblini deviennent de plus en plus gros, ils sont de plus en plus dangereux pour Crazy Town. Donc c'est pour ça que je vous en supplie, ne parlez pas de cette salle des coffres, c'est pour ça que je n'en ai pas encore parlé. Parce que hier, elle était encore en développement, là c'est vrai qu'elle a pris, elle a pas mal évolué. Et du coup, j'attends qu'il y ait de vraies choses qui se passent dans cette salle des coffres, d'organiser une descente et de les mettre dos au mur, quoi. Ouais, moi je propose qu'on garde toute cette info pour nous. Là c'est vraiment une grosse info, il faut vraiment pas qu'on en parle. On est tombé sur quelque chose de gros. Pozu, il est bien silencieux. Ok. Et si vous permettez, moi faut juste que je retourne là-bas parce que en gros, j'ai reminé comme hier. Et en gros, il y avait plus la salle des coffres tout de suite. J'ai dû pas mal creuser pour la trouver, c'était des blocs de roche lisse. Du coup, faut juste que j'aille reboucher avec de la roche lisse pour pas que ce soit cramé. Vous pouvez venir, okay, si vous n'avez pas confiance, mais je vais vraiment juste reboucher les blocs. Mais voilà pour tu parles du restaurant? Ouais. Ok, bon. Okay. On a trouvé la salle des coffres grâce à une explosion de creeper. C'est improbable. Moi, je crois à Thomas. Thomas, je lui fais confiance parce que c'est un bon gars. Il m'a jamais fait de coup de pute en vrai, contrairement à d'autres. Ou alors peut-être il y a des coups de pute mais je suis pas au courant. Ouais. Donc on verra. Ouais. Ah non mais ça. Mais ouais, ok putain la salle des coffres. Bon il y avait pas de coffre dedans par contre, hein, c'était juste... Moi j'ai quand même envie de me foutre dans la merde quelqu'un là, je sais pas. Merci du sub, t'es trop gentil. Oh, merci du prime. Initio. Merci beaucoup du prime, mon ami. Et je vais vous mettre dans la salle des subs. Alors attendez. Attends, parce que là, ça parle un peu. Tu sais, là,
m'occuper de la sécurité au sein de Crisitor, mais c'est pas facile. D'accord. Ok. Ok, ok. Bon, mais si j'ai des infos, je vous dis. Ouais. En tout cas pour les gobelins. Ouais, mais là, les gobelins, je pense qu'on a vraiment quelque chose de gros. Ça m'embête à reposer sur ce que je voulais. Bah, quoi qu'il arrive. Hop. Bah, déjà pour vous avoir quasiment. Bah, pour vous avoir tout dit. Ok, les amis. Déjà, et je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, là, mais en fait, quand le creeper a pété que j'ai vu une. Attendez. Ok, c'est bon. Ah ouais, putain, j'avais oublié. Oh, il est toujours là. L'autre crazy fish. Il est mort là, il bouge pas. C'est bon. Bien vu. Pourquoi j'ai entendu un creeper? Wow. Putain, c'était grave proche de ma maison là. L'herbe, elle a sauvé le creeper. Non, mais j'avais le totem, moi, sinon j'étais mort. Ok. On m'a dit que je pouvais mettre de la... Attends, Zafil, tourner de la terre, s'il te plaît. Ouais. Y'en a pas dans le coffre, là, devant chez WAM? Vas-y. Si, y'en a là, si tu veux. Merci. Je voulais juste... On m'a dit que je pouvais mettre des trucs de... Ouais, le Crazy Fish, il doit être bien heureux là. Là, ça doit être l'amour fou. Alors attendez, faut que je rajoute des subs. Ah, mais je suis con, je peux en mettre là en fait. Ouais, mais c'est moins stylé dos au mur. J'essaie de trouver un. Donne du blé à Crazy Fish, il va faire des œufs. Est-ce que c'est vrai ça? Quand tu donnes du blé à un poisson, il fait des œufs. Je sais pas où est-ce que je peux mettre le reste des subs. ZQSD. Bah, attendez, on a un nom de code là, faut qu'on décale. Fais des poteaux en face de ceux qui sont déjà existants. Ouais, je pense que je vais faire ça. Mais le truc, c'est que j'ai peur qu'on n'ait pas trop de place du coup. Derrière, les poissons font des œufs, Zaf. Ouais, je sais, mais en donnant du blé à un poisson, ça fait des œufs. C'est plus ça qui me choquait. Salut Yanaël. Yanaël, salut à toi. Si, mais c'est un nom de code avec Raph pour dire faut qu'on parle. J'ai perdu mon petit Raph. Ah oui, putain, c'est... Ah putain, t'as fait tout le tour. Ouais, j'avais un peu perdu le... Dis-moi. Oui, par rapport à ce qui s'est passé là juste avant, j'ai envie de croire Actuan. Mais je le crois pas. Moi, je le crois, étrangement. Moi, alors, du coup, en fait, c'est que j'ai la preuve que je le crois pas. Ah oui, c'est passé quoi? J'ai un petit doute parce que là, il nous dit ça, c'est bien beau, blablabli, blablabla, mais il nous dit absolument pas tout, mec. Comme? Je t'explique. Vas-y. Avant-hier, au calme... Voilà, je me baladais et j'allais vers chez lui pour lui donner la preuve que Pozu avait truqué les élections. J'avais enregistré une conversation de lui et Kaido. Ok. Et du coup, je lui ai apporté cette preuve que Pozu avait truqué et je le trouve pas. Je vais vers chez lui et je le trouve pas. Et là, je regarde en bas et en fait, je vois qu'il est sous le bâtiment des Goblinis et pas le restaurant, le bâtiment. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vois qu'il y a un petit escalier de service qui amène en dessous. En fait, c'est derrière chez Chris. Il y a un petit escalier qui est amené en dessous chez les Goblinis. J'ai creusé un bloc. Et là, sur quoi je tombe? En fait, j'étais sous le plancher de toute la base des Goblinis. Et il y avait un escalier secret. Ok. Sauf que Actuan venait d'en dessous. C'est pas tout.
Je vais t'y amener parce qu'en fait, il y avait tout le fer là-bas. Ok, oui. Tout le fer. Et je crois même que c'était avant la salle des coffres là-bas. Donc, je pense que c'est eux qui ont volé tout le fer. Et je pense aussi que Actuan est de mèche avec eux parce qu'il ne nous a pas du tout parlé de cette salle-là. Mais il nous en avait parlé. Ah non, peut-être pas. Et si, non, il nous en a pas parlé. Pas de cette salle en bas, là. Ah ok, mince, je me suis trompé alors. Il a parlé de celle du restaurant, c'est ce qu'il dit depuis tout à l'heure. Mais moi, hier, il me semble, il m'avait parlé d'un truc. Ou alors c'est Théo, je sais plus. Mais c'est de la moi, il m'a parlé de la salle, mais celle du restaurant. Il m'a parlé d'une salle des coffres, pas deux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il dit pas tout. Est-ce que tu veux que je te la montre ou pas? Alors, je parle de la salle. Je parle de la salle. La salle, cachée, non, gros. Ça va aller, du coup. Ouais, non. Non, je te fais confiance, en vrai. Ok. Ok. Je te fais confiance, t'inquiète. T'es la personne avec qui je fais le plus confiance dans ce serveur, dans ce village. Donc, ça va le faire. Ok. Mais, juste garder un œil sur Thomas, ouais. Du coup. J'ai envie de lui faire confiance, mais vu que là, il nous a pas tout dit, j'ai un peu de mal, du coup, parce qu'en vrai, autant tout déballer, quoi. Ouais, c'est vrai. Sauf que je pense qu'il y a des... Il y a des trucs qu'il garde pour lui aussi, quoi. Enfin, voilà. C'était tout ce que je voulais te dire. Ok. Bon, vas-y. Et toi, t'as quelque chose à me dire, genre je t'aime ou des trucs comme ça? Là, il faut aller dormir, je crois. Pourquoi tu t'enfuis? Parce que il faut dormir. Ouais, j'ai l'impression que c'est un prétexte. Allez, hop. Allez, on y va. Bah. Allez. Parce que là, ils. On pourrait dormir ensemble pour aller plus vite. Sinon, après, moi, j'ai du chemin à faire. Ah, j'ai les oreilles bouchées. Il a pas aimé le risque que j'ai pris. On a rien dans la boîte aux lettres. Ah ok, ouais, il y a même plus de lit. Ok, ouais, il a mis un lit simple. Ok, oh, super. Ouais, faut que tu y ailles là. Oula, okay. Il est entré chez moi comme ça. Bon, ok, toute cette histoire là, moi ça me rend un peu fou. Je sais, je crois Rafale, mais je crois qu'il a pas eu les idées toutes claires là. Je fais confiance à Rafale, je fais confiance à Thomas aussi. Thomas, il il m'a dit, et je crois qu'il avait dit à Rafale aussi du coup, mais il a dit ouais, c'est bon, j'ai fait un truc, mais ils m'ont pas payé, machin chouette. Thomas égale Actuan, c'est ça. Thomas c'est Actuan. Oui, putain, faudrait que j'ai l'habitude de l'appeler comme ça. Bon, voilà. Y'a quelqu'un? Miaou. Ah putain, mais je me disais qui a graille, j'ai cru que c'était le zombie. Ça va Thomas? C'est quoi ce mix de maison là? Non mais je suis en c'est pas très en beau. Plein travaux là. Non mais je suis en train d'améliorer. Tu as une maison boule. Je vais changer ça là. Ouais, faudrait que tu fasses ça rapidement. Mais vas-y, ouais, bon courage. Hein. Je fais ça rapidement, merci. C'est du béton? Putain, concernant le coffre-fort, ça me fait chier là. Donc, tu savais. Ça faisait longtemps que tu connaissais l'emplacement ou pas? Ben non, j'ai appris hier. Sur un coup de chance. Mais c'était pas encore concret en fait, tu vois, la salle des coffres n'était pas encore faite. Du coup, je voulais avoir plus d'informations avant de vous en parler. Je te le jure que je voulais t'en parler à Rafale et à toi. Ouais, je me doute, mais. Mais le problème, c'est que Pozu, il tombait dessus, ça me fait chier. Parce que Pozu, ça se voit qu'il a le cul entre deux chaises, et s'il en parle à des gars comme Théo. C'est foutu, parce que Théo, lui, il va être là pour le chaos, il va en parler aux Goblinis, même s'il a pas vraiment d'affiliation avec eux. Je sais que Raph, là, on l'a parlé vite fait, là, de toute cette situation. Et ouais. Du coup,
Il trouve que t'as pas été très clair et très sincère. Oh non. Parce que il y avait une autre salle des coffres en dessous de leur bâtiment principal dont t'as pas parlé. Quoi? Là, il y a une salle des coffres. C'est ce bâtiment-là? Ouais. Mais non, je vous en ai parlé, mais elle est vide maintenant. Ouais, mais du coup, il nous a dit... Enfin, il m'a dit, ouais, il en a pas parlé là, à l'instant même, donc peut-être quand il y avait Pozu. Bref. Ah si, j'en ai parlé. Voilà. Il a du mal avec toi. Non. Mais pourtant, j'en ai parlé de la salle... Enfin, pour moi, je lui ai dit, je lui ai tenu au courant de la salle des coffres, justement, qui était là. Ouais, bah pour... Enfin, moi, tu m'avais dit aussi, je pense, donc... Oui, non, mais pour Rafa, j'ai dû lui raconter aussi l'histoire de... Bah, que la salle des coffres, elle était là, puis qu'elle était déplacée, qu'ils m'ont mis un ratio. Bah oui, c'est vrai. Bon, voilà. Donc Raph, il me fait pas confiance. Non, il te fait confiance, je pense, mais il a un petit peu du mal. Genre, il n'est pas sûr à 100%. Pourtant, mais j'ai des bonnes intentions, et je suis... Enfin, le chef de la sécu aussi, j'essaie de faire de mon mieux. Et moi, mon but, c'est que tout se passe bien dans Crazy Town, et j'ai juste envie de faire couler les gobelins. Il me faut juste des preuves, et je peux pas faire ça seul. C'est pour ça que je vous ai demandé votre aide. Zéro doute envers toi. Moi, je te fais confiance. Moi, c'est que Pozu leur ait découvert ça qui m'embête. Enfin, que Pozu ait découvert ça, ça m'embête. Je pense pas que Pozu ait un si mauvais fond. Ouais, mais justement, en fait, il a un fond un peu trop bon. Et du coup, tu vois, là, un truc comme ça, pour lui, l'agent de sécurité, enfin, le chef de la sécurité, il a pas à faire ça. Je peux le comprendre en même temps, mais bon. Non, mais oui, c'est compréhensible, mais du coup... Ouais, bon. Compliqué. Bon, je fais le commissariat, je m'y mets, parce que ouais. Là, les voix dans ma tête, elles sont en train de go crazy, là, elles veulent que je fasse le commissariat. Ouais, bah, écoute bien tes voix dans la tête, et je les supporte à fond. J'écoute les voix dans ma tête. Parce que là, elles ont bien raison. Bah oui. C'est très drôle de dire les voix dans ma tête pour dire le chat. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? En gros, je vous explique ce que je voulais faire. En gros, voici une ferme à faire. C'est une ferme qui produit du fer de grande quantité. Et ce que j'ai envie de faire, c'est récolter ce fer. Donc je vais faire un tunnel de ici à chez moi. Mettre un hopper, je sais plus comment on appelle ça, un entonnoir, bah ça là, entonnoir, dedans. Enfin en dessous, et comme ça je récolte tout. Bref, c'est une strat de malade. Attends, il me faut les coordonnées du coup. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de juste mettre les coordonnées? Vas-y, je comprends pas tout. C'est pas grave, on va faire F3. Ouais, je vais prendre F3. Donc... 2000... Alors, 1661, 2017. 2016. 1661, 2016. 1661, 2016. T'as combien de fer? Ça va, j'en ai beaucoup. Mais en fait, je voudrais récupérer la richesse de Ibs. Donc, faut que j'aille sur 1661. Bon, Zafif, j'essaie de déménager. Quoi? Bah, le commissariat ici, c'est un peu... Ça, ce sera ma maison et le commissariat, je le fais ailleurs. Ah, ok, d'accord. On restera voisins, quoi. Qu'est-ce que tu penses à côté de la mairie? C'est bien, non? Genre à gauche, là? Ouais. Parce que à droite, je pense, t'auras pas la place. Ben, on va peut-être raser le truc de Sam à coup de bulldozer. Bah, pourquoi? Bon, d'accord, non, je vais en parler à Pozu. C'était horrible. Le pauvre. Oui, désolé. Ou alors, tu le fais là, en plein milieu. Hein. Tu peux le faire ici.
Ou alors quoi? Tu peux le faire ici en plein milieu. Et comme ça toute la végétation que Flo il a fait, que Pozu il a fait, bah hop. Ciao. Ouais, c'est pas ouf hein. Je vais voir. Nous, si okay. J'ai le centre un peu, ça peut être pas mal. Je vais demander oui, à Pozu. Après, ouais. Putain, j'ai cru que... Parce que on est en plein plan, nous. On est en plan de fou. Ok. 1661. Bon, ok, on va tricher, on va mettre la minimap. Comme ça, on va voir un peu où on est. Je comprends rien avec la minimap, c'est un truc de ouf. Attendez. Oula. 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 C'est normal ça? Oui, je déménage. Ça me fume quand il dit ça. Dans les sous-sols de chez les frères? Non, quoi? Je sais pas. Non mais arrêtez de penser que je suis corrompu ou que je suis un monstre. J'essaie de faire ça pour le bien de la ville hein. D'accord. J'essaie de monter un dossier pour culer les... Mais juste j'allais pas en parler à tout le village que je suis en train de chasser les gobelins. D'accord. On peut faire confiance à personne dans sur ce serveur. On sait pas. Bah vous avez donc fait confiance préféré... déjà à deux villageois là. Mais oui, minimum, mais en fait, préféré... je sais pas si vous en avez parlé à plus du coup. Non, il y en a deux. Il fait trop rire actuel. J'essaie de les faire rentrer dans la police avec moi, donc je leur fais confiance, je leur dis tout. Ah mais ils savent pas que je suis là en fait. Mais concernant les gobelins, j'allais pas en parler à tout le village, d'eux, j'ai trouvé leur salle des coffres. Parce qu'on sait pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont affiliés à eux qui vont après leur balancer, du coup la salle des coffres va être décalée. Moi j'attends avec mes informations dans l'ombre, histoire de pouvoir les faire couler au bon moment. D'accord. Donc, vous voulez bref. Faire quoi? Oui, c'est pas pour attends, ça que je continue à écouter. Je voulais savoir si vous aviez une idée de où je pouvais placer le prochain commissariat. Ok. Bon, là, il parle du commissariat. Moi, je pense qu'en vrai, à la place de la salle de réunion de la mairie. Parce qu'au final, c'est un truc. Ok, c'est bon. Donc, on avait dit 2016. C'est quoi ça? Ok. Ok. Bouche. Ouah, tu m'as fait peur, mec. Bonjour. Merde. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait trop peur. Ah putain, j'ai oublié d'éclairer. Je suis en train de faire un tunnel. D'accord, mais pourquoi? Je cherche du charbon, en gros. Ok, mais du charbon il faut creuser plus bas. Ah ouais, parce que moi quand je creuse bas après j'en trouve plus. Donc je me suis dit je vais rester tout le temps la même. Bah là tu creuses dans la terre mon ref. Bah ouais, mais avant c'était pas la terre, c'est pour ça. D'accord. Mais j'en ai déjà trouvé un peu et tout, donc ça fonctionne. Mais j'avoue, pourquoi c'est suspect? Bah c'est surtout que là ils étaient en train de parler Action et tout, et du coup ça fait bizarre. Oui. Ah bon? Ok, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Bon voilà, juste ça. Ok, bah merci. Ok, attends, la screen. Ouais, ok, j'ai menti au gars auquel je faisais le plus confiance, mais... C'est pas grave. Fais plus profond s'il y a un creeper. Je pense, attendez. Il me faut de la terre. Il y en a évidemment pas. Hop. Creuse plus bas. Ouais, je vais devoir creuser plus bas. Oui. C'est vrai. Après là, je crois qu'on arrive pile en dessous du coffre du coup. Pourquoi tu fais un tunnel? Pour récupérer le fer.
normalement ça devrait être bon. On arrive, c'est 2016 normalement. On va prendre ça, ça donne de l'XP, c'est cool. Ok. Ok les amis. Hop là. Donc, on va faire notre petit entonnoir, notre petit coffre, et on va pouvoir récupérer le fer, un max de fer. Donc comme ça, on peut voler. Ou alors, en fait non, je dis de la merde. Ouais, je suis d'accord avec toi, Mathis. C'est ce que j'étais en train de penser. En fait, c'est peut-être un peu trop cramé si je prends tout le fer. Merde. Donc, autant peut-être faire juste... Là, quand j'en ai besoin, j'en prends. Ouais, j'ai... Hop. Et là, on rebouche. Comme ça, c'est bien. Ok. Donc on a fait notre premier coffre. Notre premier tunnel à un coffre. On a tellement de fer. Mais une porte. Pas besoin du tunnel du coup. Si, parce que c'est stylé d'avoir des tunnels. Bouge plus à l'endroit où c'est visible en haut. Il y a un endroit où c'est giga visible, c'est ça? Ah, genre ça? Ok. Wouah, j'aurais eu trop le seum. Le dernier coup il est pas passé, je vais me foutre en l'air. Mais c'est ouf, j'ai pas de chance. Oh non, je suis désolé, il y a les prédits encore. A chaque fois j'oublie. Oh non, mais vas-y. Ok. C'est bon. Non, comme ça. Et comme ça. Pourquoi je mets pas mon armure aussi? Je suis bête, moi. Tu m'as mort, en fait. Désolé pour la prédit, les amis. Enfin, j'ai envie de voir, du coup. Ah oui, il y avait 80% de non, hein. Ah, bon bah au moins j'ai mis quelques personnes riches, hein, j'espère. J'ai combien de morts? Eh, j'en ai 17 quand même, hein. Et du coup, est-ce que de ici c'est visible? Ah non, parce que j'ai rebouché du coup. En fait, le but c'est de... d'empêcher la richesse de Ibs.
En gros, il a trop d'argent. Et je veux le stopper dans sa réussite. Et quoi de mieux que pour stopper la réussite de quelqu'un de voler dans ses ressources? Gros jaloux va. Non, c'est juste que je suis contre un monopole. Merci Toine. Je l'ai vite retiré aussi. Hein. Fais gaffe, creeper à gauche. Vas-y, go, go. Wouah, la chance que j'ai eue. Merci pour les zombies, tu m'as fait un peu peur. Organise un braco avec Raph de son coffre à diamants. Merci Palante pour les bits. Alors, organise un braco avec Raph de son coffre à diamants. Le coffre à diamants de qui? De Ibs? Rebouche. Mais tu voles trop d'un coup? Ouais, je sais. Je vais devoir faire des blocs de fer et tout. On est pas mal comme ça. Hop. Hop. Voilà. Et ni vu ni connu. Cache la coffre dans ta maison pour mettre ton fer. C'est vrai que du coup là c'est un peu cramé. Il faudrait que je trouve un endroit où mettre tout ça. Ok. Et on a, faudrait qu'on finisse cette salle aussi. On lève la porte, si quelqu'un la voit, il va sur... Ouais, c'est vrai. On va mettre de la terre à la place. C'est un peu cramé, mais moins. Tout, 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 tout. Ok, tout est bon. Merci pour les 39 beards. Ok. Est-ce que la musique est bien là? Est-ce que la musique est forte ou pas? Zaf, qu'il y a des trucs cachés de partout. Oui, ça va. Oui, c'est bien. Un poil fort. Vas-y, je vais essayer de... Comme ça, c'est peut-être mieux. Est-ce que vous entendez bien et tout? Là, parfait. Ok, génial. C'est quoi le tunnel derrière toi? C'est un tunnel que j'avais creusé. Parce qu'en gros, là, cette salle... Ah oui, tiens, j'ai encore des pseudos à mettre. Cette salle-là, je voulais que un sub égale un pilier. Et du coup j'avais calculé et en gros ça donnait ça quoi. Il fallait que je fasse ça sur 6 rangées du coup. Ça aurait été stylé hein.
Pourquoi la version de... Attends, quoi? La musique, oui, version jazz. Bah, c'est trop cool, non? Et en plus, comme ça, il n'y a pas les copyrights. Ouais, mais flemme. Bah, je crois que juste pour creuser ce tunnel-là, ça m'avait pris 20 minutes. Donc, je vais faire ça encore pour je sais plus combien de blocs, pour combien de rangées. Ce qui faisait au total 7200 blocs. Plus après, poser tous les piliers. Ensuite, mettre les noms sur chaque pancarte et tout. En vrai, voilà, c'était peut-être un peu long. C'était un peu long pour tout faire d'un coup. Et j'avais même pas fini là. Hein. Je crois qu'il me restait encore... Là, il me restait encore... 1000 blocs, je crois. Je devais encore creuser 1000 blocs. Enfin bref, ça aurait été très stylé, ceci dit, ça aurait été énorme. Ça aurait été hyper grand et tout, mais vas-y, c'est trop long. On aurait pu mettre un minecart. Et prendre le wagon pour regarder, pour traverser la salle des subs, ça aurait été stylé. Salut Nono. On va prendre du charbon là si on en recroise. Je sais plus s'il y en a. Oh, mais ça on en a pas besoin. On en a tellement maintenant. Des tableaux pour cacher les tunnels, c'est vrai, mais c'est trop cramé, c'est trop basique comme cachette, je trouve. Qu'est-ce que tu fais? Là, on récolte juste un petit peu de charbon, parce que c'est toujours pratique. Du coup, vous m'aviez dit aussi que je pouvais mettre des piliers juste devant. Ok, donc je vais mettre les derniers subs. Ok. J'ai oublié c'était quoi. C'était Noah. Je crois, c'était ça. Vava FL. Azo Dei Ui. Bienvenue à toi. Et Iniceo pour son Prime. Bienvenue dans la salle des subs. Bon. Non, c'est bon, il y a plus de place. Faudrait que je rajoute des... Des pancartes et des piliers, pardon. Genre... Ça peut être sympa, ouais. Tu peux faire un circuit en piston. Bah en vrai je suis chaud, mais j'ai pas de slime. Genre tu sais, j'ai pas des sticky pistons. Je trouve ça con du coup. Je voudrais bien avoir des sticky pistons. Ok. Go farm les slimes. Ouais, mais on m'a dit que ça se trouve soit sous terre, soit dans des marécages. On n'a pas encore trouvé. Comment je pourrais... Putain,
Putain, ça me fait chier d'être aussi bas à cause des shaders. Et je crois que c'est parce que je stream aussi que j'ai pas un PC. Enlève monde atténué. Ah ouais, de ouf, c'est un peu mieux. Un petit peu mieux. Go chercher Crazy Bird. C'est vrai que. C'est vrai que le pauvre petit Crazy Bird. Crazy Wolf, il est là. Maintenant, j'ai tellement confiance qu'il est en dehors de sa niche. Hier, tu buguais pas par hasard. Bah, c'est la même chose en fait. Mais c'est les shaders. Je sais pas si c'est aussi. C'est pas grave après. Hein. Oui, je pense que c'est mon processeur. Crazy Wolf, il mange des Crazy Croquettes. Oui! Ah, j'ai super chaud, je pense que je vais enlever mon pull. Salut Zerfieux! Mi 8-10, c'est bien. Ok, vas-y. Ton pull Fortnite. Ouais, il tient chaud le pull Fortnite. Hop. Ça change rien, c'est un truc de ouf. Si c'est un peu mieux parfois. J'ai enlevé mon pull. J'en ai plus. La maison de Bastu parce que certains voulaient le voir. Bah attendez, je vais. Les gars, c'est parti pour une pause pipi ou quoi? Pause pipi, pause de je vais chercher à boire et tout, vous pouvez faire de même. Ou aller regarder le stream des autres, écoutez. Ça c'est la maison de Mastu. C'est qui là-bas? Ah c'est Thomas, il fait son commissariat. Bah je vais vous laisser sur ce point de vue de Thomas qui construit. Je reviens. Oh salut Sam. Elle a bien avancé ta maison hein. Elle est grave jolie mec. Vas-y je reviens.
Hello. Ok. J'ai pris de l'eau pour une fois. Retiens bien, d'ici 72 heures, masterclass qui va choquer l'intégralité du serveur. Vas-y, j'ai hâte. Hein. Ok. Ouais, j'ai trouvé ça dans mon armoire. C'est un petit t-shirt pas repassé. Qui est abîmé de ouf. Genre, il y a des taches dessus. Mais je sais pas pourquoi, parce qu'il est propre, mais il y a des taches dessus. Voilà, anecdote. C'était le bon temps, c'est quoi ça? Entrer dans les vestiges d'un bastion, ok. Bon. Waouh, Nono, waouh, Nono. Il nous fait un outfit of the day, ouais. Plus petite jogging de Seize. Avec, bah c'est tout. C'est ça mon outfit. Plus des Air Force, mais que j'ai enlevé. Voilà, notez mon outfit. Ok. Alors. Je voudrais bien aller explorer un peu et tout. Putain, il fait moche. Et il fait nuit surtout. Vas-y, quand il fait jour, on ira explorer un peu comme on l'a fait hier. J'ai bien aimé. Je vais aller voir ce qu'ils font les autres là. Crazy Drip. Ah, ça me fait plaisir. Zafil. Ouais, salut. Salut. Ça va? Ben écoute, ça va bien. De moins en moins. Le commissariat avance. De moins en moins. Pourquoi de moins en moins, Flo? Bah écoutez, j'apprends un peu des choses sur ce qui s'est réellement passé pour les thunes. Mais attendez, les gars. Mais quoi? Mais oui. Mais oui. Ok, faites-le tomber, voilà. Mais wesh! Mais what? Non mais en vrai par contre, vraiment fais pas ton commissariat ici je pense. Hein. Mais pourquoi? Mais t'as vu ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah non mais y a un creeper chargé qui a spawn. Bah s'il y en a deux, hein. Celui qui m'a pété c'est un chargeur aussi. Mais voilà! Ah y'a des creepers chargés? Y'a un zombie intuable. Attends mais c'est pas possible par contre. Zafil, je peux vous parler s'il vous plaît? Ouais. Pourquoi tu me vous voyez? Je peux te parler s'il te plaît? Ah, je préfère. Ouais, grave mec. Bon. Actuan m'a tout dit pour les tunnels. Les tunnels? C'est privé ou pas? Oui. Ah, ok. Ouais, je l'aime pas trop non plus. Les tunnels. Les anciens tunnels, il m'a dit que c'était toi. Ah bah c'est lui qui les a fait. Merci. Ah merde, tu m'as eu. Ah, mais ça tout le monde le sait. Oh merde, attends, merde. Va vraiment falloir qu'on reparte sur de bonnes bases. Oh. Parce que ça va vraiment pas le faire. Hein. Ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, dites-nous, monsieur Zafil, qu'est-ce qui se passe? En gros, Pozu est un manipulateur. Et on peut pas trop lui faire confiance, je crois. Il vient de me manipuler, en fait. Comment ça, il t'a manipulé? J'ai prêché le faux pour connaître le vrai. Et ça a particulièrement bien marché, monsieur le creuseur de tunnels. Hein? Comment ça? Allez hop, tu t'es fait avoir, c'est moi qui ai creusé les tunnels, allez hop. Comment ça, monsieur Zafil? Ah, double bait. Mais je savais pas. Ah, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais pas, je dis, oui, monsieur Actuan m'a tout dit pour les tunnels, et il s'avère que en une demi-seconde, monsieur Zafil, ici présent, me lâche une phrase de type « Oh, mais c'est lui qui les a creusés !» Qui, lui? Raphaël? Non. Vous-même. Comment ça, moi?
Bah c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'au final on a une discussion. Bah c'est pas attends, moi qui regarde là. Attends, mais tu parles de quel tunnel? Parce qu'il y en a un qui passe chez Théo. C'est parce que Théo il en a fait un aussi. Qui part de chez lui. Bah si, attends, en dessous de chez là, lui. Je comprends. Attends, pose où? Qui donne à chez Rafal. Oui. Okay. Vous parliez à Zafil de quel tunnel? Mais de ceux qu'on parce venait que... de parler, que vous m'avez dit, oh bah je sais pas parce quoi que les qui gobelins a fait ont fait un les tunnel tunnels. Aussi de la mairie. Non mais parce que oui, j'ai fait un tunnel, mais c'est pas le tunnel d'espionnage. Mais oui, j'ai fait un tunnel. Et Zafil est au courant pour le tunnel, mais c'est pas le tunnel là. Ah, tu parlais d'un autre tunnel. Il y a beaucoup de tunnels quand même. Hein. Bah oui, il y a beaucoup de tunnels. Il parlait du tunnel pour lequel j'ai fait enfermer Rafal et tout. Quoi? Mais de tous les de tout le genre la fourmilière qui se cache. Ah oui non mais ça non mais ça j'ai rien à voir avec bon, ça. Bah écoutez. Ah bah non mais moi je suis même pas au courant de ça alors. Je pense que je vais y aller dans tous les cas. Hein. Notre discussion qu'on avait commencé à avoir n'a vraiment pas lieu d'être. Quoi? Et on aura peut-être qu'on serait quelqu'un d'honnête. Mais je sais même pas de quel tunnel il parle du coup. Mais honnête de quoi? Mais monsieur Pouzou? Ça va, mec? C'est la merde, il t'a baisé. Il m'a trop eu, mec. Il m'a dit, je sais tout pour les tunnels que t'as creusé. J'ai pas creusé de tunnels, c'est Thomas qui les a fait. Quel bâtard, putain. Il m'a trop eu, mec. Bon, c'est pas grave. On peut pas... Oui, non, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il sait beaucoup de choses, et là, il me fait pas totalement confiance. J'essaie de gagner sa confiance pour me mettre dans la poche. Mais du coup, bah, justement... Comment ça, de le mettre dans la poche? Tu veux le manipuler en gros? Mais mec, il sait trop de choses sur par rapport aux gobelins et tout. Mais pourquoi juste tu deviens pas pote avec lui? Mais j'essaye justement d'être pote avec lui. Et il veut mais pas. Mais il y a toujours en fait. Mais il y a toujours ce côté où il me fait pas totalement confiance. Et là, bon bah c'est ça. Ça on a fait 20 pas en arrière quoi, c'est compliqué. Mais moi j'aimerais bien que Pozu il soit de notre côté, tu vois, pour faire tomber les gobelins. Et j'ai peur en fait qu'il fasse plus confiance aux gobelins qu'en moi. Et que du coup, il fasse tout capoter. Ouais, mais... Je crois qu'il a confiance en... Ah, il a peut-être pas confiance en Raph et moi. Je sais pas du tout. En fait, le problème, c'est qu'on a une sorte d'alliance où... Raphaël te fait confiance, mais il me fait pas confiance. Moi, je te fais confiance à toi, à Raphaël, mais pas à Pozu. Pozu, il fait confiance à personne, je crois. L'alliance, y a rien qui va dedans. On verra. Mais... En vrai, te focus pas trop sur Flo, sur Pozu. C'est une perte de temps. Vu il est bougon et tout. Ouais, mais ouais, en fait, il est très fermé sur son idée et ça va être compliqué de le faire changer d'avis. Du coup, concentre-toi sur ton commissariat le plus vite possible, hein, parce que là, c'est très moche. Oui, mais c'est la façade, hein. Bah, justement, si c'est la façade, ça, waouh. Ok, bah je me concentre alors. Tu sais comment on fait de la teinture rouge? Avec des fleurs rouges? Ah oui, merci. Si tu veux, il y en a plein dans la ferme de golems. Parce que les golems font tomber un coquelicot quand il meurt. Ah oui, j'avoue. Merci. C'est hyper étrange de le mettre à côté des gobelins, leur truc. Putain, ils ont plus de... C'est sûrement fait exprès. Enfin, peut-être pas fait exprès, mais du coup, il y a moyen d'en tirer un truc stratégique. Toutes leurs plantations de pommes de terre, elles sont parties. Oh, c'est stylé et tout, ici. Hein. Regardez, vandalisme, vous êtes prêts? Hop. Hop. Ah, je voulais pas faire la dernière. Ah mais c'est le métro ça? Ah non. Ok. On va juste voir ce qu'ils font. Mais je pense qu'il y a moyen du coup de... Avec le commissariat d'espionner les gobelins. Oh il pleut plus enfin. La grotte où tout a commencé. C'est là où tout le monde s'est fait braquer.
Zaf le délinquant, ouais, t'as vu ça? Ils ont de la glace compactée. Ils ont de la glace compactée, intéressant. C'est de l'emprunt. Ok. Ah si, je voulais faire du béton blanc. Ah mais je sais pas si... Je sais pas comment il... combien il me reste de béton blanc, s'il m'en reste, s'il me reste du gravier, je pense que j'ai rien de tout ça. Cringe. Ouais non, j'ai rien du tout en fait. Et il me reste du gravier, j'ai pas de sable. Ok, bon, on va aller chercher du sable et du gravier. Hop, let's go. On va aller par là, je sais pas. Enchant ton équipement et utilise les diamants. Bah en fait j'ai pas beaucoup de niveaux là pour l'instant. Et j'avoue je pourrais utiliser les diamants parce que là je fais un peu mon radin. Ah non je lag plus là. Donc en gros c'est juste dans le village je lag parce qu'il doit avoir un... C'est peut-être à cause de tous les animaux de certains ou des choses comme ça. Oh non c'est giga fluide. Donc gravier plus sable. Hop les, hop les, hop les. Et comme ça on pourra, toute la loge VIP, mon écurie, je sais pas trop ce que c'est, on pourra tout remplir en béton blanc, voire plus, enfin paf, on récupère le plus possible. Mais là c'est surtout du sable du coup qu'il me faut. Ah bah. Je vais péter mon crâne. Attends, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vesqué un message. C'était quoi, Rhinoshield? J'ai pas vu ton message. Zaf, tu peux lire mon message? Je vais canner, ça fait 4 fois, je le mets. Oula. Vu qu'il y a un policier, une ferme, une mairie, etc. Ça te dit de faire un hôpital ou une clinique, genre, ça serait stylé. Ok. Mais je suis pas très fort en construction moi. Donc je sais pas si c'est une bonne idée que moi je le fasse. Mais j'avoue que c'est stylé. Qu'est-ce que je pourrais faire comme projet pas trop difficile? Moi je peux faire des trucs grands, tu vois, genre je pourrais faire un énorme cube. Je sais pas pourquoi mais ça demande pas de difficulté à faire, tu vois. Enfin c'est juste long. Mais un hôpital, franchement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Un supermarché, oui. Ça peut être stylé. Ou pas un supermarché, mais genre une épicerie, du coup. Un observatoire public. Ah, c'est vrai que ces musiques jazz, les musiques Nintendo jazz là, elles sont pas mal. Hein.
Un port construit Webedia. J'avoue, le... ce serait stylé de faire l'étage du lot. Faudrait qu'il regarde le face. Avec l'open space et studio et tout, ça peut être drôle. Tu fais Bedwars ou pas? Pas du tout. C'est pas du tout mon style de... Enfin, Minecraft, moi ce que j'aime, c'est seulement la survie. Les mini-jeux, j'aime de temps en temps, mais c'est pas trop mon truc. Et là, en serveur, c'est trop bien. Je sais... Oh là là. On commence à avoir pas mal de sable. Moi, je suis un slow runner, comme on dit. Une patinoire avec de la glace, ça peut être mignon, ouais. Je sais pas, faudrait que je réfléchisse, mais c'est vrai que je pourrais faire des constructions pour le serveur. Parce que là, c'est vrai que je me focus surtout sur des constructions pour WAM. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Un zoo. Bah je crois que Emma et Chris font déjà un peu ça. Donc je ne pense pas faire un zoo. Un centre de loisirs, mais c'est toujours plus loin. Une salle d'arcade avec des jeux fonctionnels réalisés en redstone, s'il te plaît. L'ISS carrément, what the fuck. C'est des vrais projets ça hein. Ça me fait chier l'eau là. Comment ça, il y a toujours de l'eau? Elle sort d'où l'eau? Ok. Ah là comme ça on en a beaucoup. Oula oula, putain la chance. Ah ouais, ça a servi grave ce que j'ai fait, putain, je suis trop fort. Un hôtel Zaf. Non mais, vous me pensez vraiment comme un dieu de la construction? Vous avez vu ma maison les gars ou pas? Les gars, je ne peux pas faire des constructions. Je suis trop nul. Putain, je sais même pas creuser du gravier, je me fais bolos quoi. Ouf ta maison. Un escape game. Mais calmez-vous. Calmez-vous. Hop. Ok, ok. Est-ce que je peux quand même le faire là ou... Putain, j'ai réussi un peu. Oh là, l'enfer. Ah, j'aime pas creuser tout ça là, c'est chiant, ça fait... Oh, c'est trop moche. Vas-y, on peut rentrer. Et il me faut de la teinture blanche, ça se fait avec des os. La tour Eiffel, une prison, une tour en gravier. Tu vas faire quoi avec le gravier? C'est pour faire du... comment on appelle ça? Du béton. Un bowling. Un globe terrestre à taille réelle. J'aime vraiment bien, vous êtes très réaliste dans vos propos. Statue de la liberté.
fais vraiment ta sale vie. Ça, j'aime bien, tu vois. Continuer dans mes projets actuels. Un zombie en laine. Une brique de lait, un château, l'univers, un cinéma. Un aquarium avec des petits poissons. Le Burj Khalifa. Non mais waouh. Vous êtes à fond dedans. Une hommage à Basile, l'Angleterre. Bon, les gars, je vais faire mon béton. Hop. Hop. Et on va faire le béton. Donc j'avais vu Thomas et Flo le faire tout à l'heure. Enfin l'autre jour. Là-dedans, ils avaient fait le béton. J'ai bugué. Oh. Et en gros, après, du coup, il y a tout qui tombe petit à petit. Et donc, ça va être plus simple. Une piscine, c'est simple, tu fais un cube d'eau. C'est vrai. Je pense là, mon... Le... Bonne nuit, Zafil. Bonne nuit, Zafil. Je pense les... Là, on va se focus sur nos projets à nous. Sur notre maison, en fait. Certes, on se focus sur notre maison, mais ça fait plaisir. L'Elysée. Mais go, est terminé. Voilà, exactement. Et là, notre projet actuel est de faire du béton. C'est bon, doser, les gars. Ça fait plaisir. En vrai, c'est... Ça, c'est pas mal, en vrai. Ok, allez. Là, on va faire une gigatour. Wow, cette rapidité. Merci du sub, t'es... Oh, merci Milo pour le Prime. Merci pour le Prime. Attends, vous savez quoi? Vas-y, ça fait longtemps. Merci Milo. Merci beaucoup Milo. Milo pour son Prime. Un sub, je veux un max de GG dans le chat. Quelqu'un vient de ce sub. Un sub, mon gars. De tout à l'heure. Hop là. Le shaders. On se débrouille bien là. On peut voir la maison, le village de tout en haut. Ouais, ça fait, on est haut. Hein. C'est actuel.
Rafale, je sais pas où il est. Hein. Ah bah il est là. Tombe. Essaye MLG, mais j'ai même pas, en plus je peux même pas. Ma chaudière elle est vide. Ça sert à quoi ce que tu fais? C'est pour faire du béton blanc en fait. En fait, pour le béton, quand tu le craftes, il est en poudre. Genre tu vois, ça c'est en poudre. Et en fait, au contact de l'eau, il devient dur. Donc en gros, ce qui se passe là, c'est que celui qui est en bas, il est T'as dur. T'as pas senti ma petite blague? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai retiré juste un bloc de sable. Genre du coup, normalement, ça allait te faire descendre un petit coup, mais j'ai l'impression que t'as pas été très perturbé. Ah non, peut-être après je sais pas. Tu t'en es même pas rendu compte. J'ai fait une petite Tiens. Pause. Qu'est-ce qu'il y a? Ben rien, j'avais besoin, mais et merci Pozo. De rien. Attends, mais comment on fait ça? Sinon, je peux en faire un à côté, non? Ouais. Bah oui, c'est un truc vraiment basique, quoi. Ah mais je peux faire dans l'eau. Un de. En fait, je pense que c'est pour pas que les blocs. Oui, tu peux. Attends, si tu mets ici. Et voyez. Et du coup, en gros, chaque bloc tombe et du coup, on peut faire du. On a du béton dur, quoi. Combien de subs tu tombes? Non, j'ai pas envie de me tuer, j'en ai marre de me tuer. Par contre, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie d'aller tout en haut de la limite. Oh les gars, on va faire un truc de fou. Oh, j'ai une idée. La limite c'est 256. Il me faut 4 stacks. Ok. Ma pioche elle va se briser là. Et du coup en fait c'est carrément plus rapide comme ça. Oh c'est trop stylé. C'est un peu drôle. Merci du sub, t'es trop gentil. Kalikix, merci beaucoup pour ton sub. Tier 1, merci beaucoup. Attends, je vais t'écrire dans mon livre. Avec Milo. Le livre des subs. Ah ouais, ok. Et Kalikix, bienvenue à vous les gars. Merci pour votre sub. Vous allez bientôt être dans la salle des subs. 320 blocs, la limite. Ok, on va faire un truc. Un truc très fun. Vous allez péter. J'ai envie de le troll, les gars. Il va me détester ou pas? Merci du sub, t'es trop gentil. Attendez. Ah non, ça... Je suis désolé, Thomas. Thomas, si jamais tu vois ça, je suis désolé. C'était très tentant, mais ça se fait pas. Parce que ça a dû prendre un peu de temps. Merci beaucoup. TMTA. Oh, c'est le mec qui chantait sur le Discord. Mec, comment tu vas? Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton sub. Attendez, je vais vous mettre dans la salle des subs. Oh là là, je suis un gamin. C'était trop drôle. Comment il est tombé, le nulos? Ah merde, il a perdu son stuff. Merde. Pioche en gems, frère. Bah après là, c'est pour le béton, donc j'ai pas besoin d'avoir une pioche en gems, si. Je suis très... j'avoue, j'ai jamais envie de les utiliser. Mmh.
Non, vous êtes trois en fait. Et du coup, TMT. Bah alors, bientôt, ce sera vous. TMTA, frère. Plus qu'une personne. Et vous auriez votre. Vous seriez. Vous allez être frère de panneau. Genre comme si dans la lettre. Allo ? Ouais. Ça va, je te dérange pas ? Bah j'allais faire le béton là. Bah. T'as rien vu de suspect contre. Enfin. Concernant de quoi ? De quoi ? Ben. Je sais pas en fait, tu vois, j'étais en train de faire deux piles de. Comment ? De béton. Et il s'avère qu'il y a une des deux piles qui s'est écroulée, tu vois. Et dès que je suis revenu sur la scène de crime, en fait, il y a une torche qui était placée en dessous. Merci du Ah ouais, non, j'ai même pas de. J'ai même pas, j'ai de torche, moi. Bah, je sais pas, t'es à côté, t'es la seule personne qui était à côté, c'est bizarre, quoi. Ah ouais ? Non, il y a Flo qui était juste à côté, je crois. Non, aussi. Non, non, mais Flo, il aurait pas pu faire ça. Pourquoi t'as fait ça, Zafil ? Mais mec, je suis juste parti chez moi pour me faire une pioche, c'est un truc de fou. Pourquoi tu accuses ? Je sais pas, on est. Mais on est après, il y a peut-être eu un problème, tu sais, genre, je sais pas. Merci la petite paille FPS pour le sub. Vachement suspecte en fait. Toujours, tu vois toujours le mal, hein. De toute façon, t'as perdu tous tes blocs. Ben, j'ai perdu beaucoup de trucs, ouais, je pense que j'ai pas tout récupéré. Ah. Ah, bah, dommage alors. Après, regarde, tu peux quand même. Regarde celui-là, tu peux le miner, tu vois. Mais pourquoi t'as décidé de me mettre des bâtons dans les roues, Ozaf ? Mais j'ai rien fait, mec, c'est un truc de fou. Y'a eu une torche, donc forcément quelqu'un a décidé de péter la pile sur laquelle j'étais. Oui, bah ouais. Pourquoi tu rigoles ? Eh, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Gentil. J'ai trop envie, toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Merci du sub, t'es trop gentil. Mais arrête! Mais arrête, arrête! Mais pourquoi tu sabotes ma tour? Arrête! Merci du sub, t'es trop gentil. Attends, les affiches? Ça va, gros? Attends, donc là, attends, tu viens d'avouer, mais là c'est très grave ce qui s'est passé. Non, mais c'est une blague, Thomas. Mais tu crois que je rigole avec ça? Tu m'as assassiné? Du coup, je t'ai assassiné. Mais je suis mort. Ah! Ah! Ah oui, c'est vrai. Sub, t'es trop gentil. Bon. Je vais convoquer tout le village. Non, Thomas, c'était une blague. Mais une blague de quoi? Mais on peut pas rigoler avec la mort, tu m'as tué. Et alors, toi, tu crois que tu m'as jamais tué? Bah non, je t'ai jamais tué. Ouais, bah c'est possible, mais un jour tu le feras sans faire exprès. Et ça, c'était. Moi, je m'attendais pas à que tu meurs. Et pourquoi t'as pas avoué tout de suite en plus? T'as essayé de nier? Parce que je me suis dit, tu t'allais mal le prendre. Regarde, tu l'as mal pris. Bah oui, je l'ai mal pris. Mais. On est amis, t'as décidé de me tuer. Mais. Non, c'est une petite blague entre amis, justement. Vas-y, si tu veux, regarde, je lâche toutes mes torches. Je veux pas de tes torches. On en reparle après. Oh là là. Oh là là, vas-y, je laisse tranquille. Merci beaucoup, TM, TA, FRRR pour les 5 subs offerts. Allez, let's go, c'est parti, let's go. À tous les viewers, je répète, à tous les viewers, quelqu'un a offert des subs. Je répète, quelqu'un a offert des subs. Let's go, attends. Merci beaucoup pour le passage. Let's go. C'est la fête, merci beaucoup. Merci beaucoup et vous allez avoir votre petite place, les amis, dans... Parce que j'ai vu, il y a un autre sub aussi, j'ai... La petite paille FPS.
Merci beaucoup. Je vais vous mettre votre panneau. Ouais, c'est bon. Votre panneau dans la magnifique salle des subs. Hop, 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 hop. On a notre poteau. Merci Milo. Du sub, t'es trop gentil. Oh, qui offre 5 subs encore. TMT, faire. C'est crazy, TM. Merci beaucoup pour les 5 subs gift, mon gars. Là, 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 là. Ça régale. Merci beaucoup. Trop gentil. Hop. Donc, petite séance. On met des subs de tout le monde. TMT, faire. Merci du sub. Pap. T'es trop gentil. Pap. Bon, désolé. Thomas, il est encore mort. Merci toi. Du sub, t'es trop gentil. Et bienvenue. Ah. Attention, bienvenue à Mec 08 qui a eu un sub gift. Merci de la part du de TMTA. Trop gentil. Dowser. Bienvenue à toi. Winter Théo. Drou. Merci pour les subgifts hein, du coup mon ami. Ouais c'est bon. Hop les. On a Manon, bienvenue à toi Manon. Pou. Laetitia. Je sais pas écrire Laetitia, désolé. Non, Laetitia. Waouh. Et vous avez. A chaque fois je vais le dire. Hein. Vous avez des. Non mais là. Lixi. Oh Alicia. Alicia qui avait déjà offert des subs aussi, qui se fait offrir un sub à son tour. Merci beaucoup. Et ensuite on a Mako et Sam as Twitch qui est totalement en train de jouer en ce moment sur le serveur. Merci du coup pour les sub gifts. On va continuer à casser notre tour de béton. Ok, let's go. Ça va Thomas? Il s'est passé quoi? Toi, tu viens de mettre deux torches encore dans ma tour. Ah mais non, mais j'étais en dessous de chez moi là, c'est pas possible, c'est pas WAM. Il y avait pas les torches avant. Ah bah non, je te promets c'est pas moi. Je te promets là, cette fois, là je vais être honnête, je te promets c'est pas moi. J'avais envie de le faire mais je me suis dit vas-y non je vais le laisser tranquille en vrai, le pauvre. Mais du coup là l'autre torche je sais pas qui c'est. Il y en a eu deux hein. Bah ouais bah pour une fois j'ai rien fait. M'avoir fait ce coup. Bah peut-être que quelqu'un d'autre t'a fait le coup. On n'est pas tout seul. Là il y a quelque chose qui a été brisé Zafil. Non mais je l'ai fait une fois et j'ai avoué que c'était moi. Là cette fois c'était pas moi la deuxième fois. T'as avoué à quel prix? T'as pas voulu en parler tout de suite? Bah oui, parce que c'était drôle. Oh merde. C'est drôle de tuer un ami? C'est drôle de faire des blagues à son ami, pas de le tuer. Je voulais pas que tu meurs. Oui, mais tu vois, ta blague a mal tourné. On fait comment maintenant? Bah là, t'as l'air en bonne santé quand même. Pour que je puisse te pardonner, il faut que tu me donnes ta pile de béton derrière là. Ouais, t'es en quoi? C'est quoi que tu mines? T'as coloré le sable? C'est du béton? Ah, ok. Par contre, vas-y, Apozo, il vient me sauver la vie là parce qu'il veut que je lui donne la tour de béton. Là. Oui, mais en gros, Zafil m'a assassiné. La première mort que tu as pu voir, c'est Zafil qui m'a tué. J'ai fait une blague à Thomas et bah, il est une mort. Une blague, tuer les gens, c'est une blague. Mais voilà, j'ai pas fait exprès, c'était pas mon but initial. Qui rigole ici? Personne, moi, c'est pas drôle. Moi j'ai bien rigolé. J'imagine, oui. En vrai, j'aurais été là, je pense que j'aurais rigolé. Il était tout en haut, j'ai mis une torche en bas, et du coup, il y a tout le sable qui s'est cassé. Oh non. Tu vois, masterclass la blague. Mais Pouzo, t'es dans quel camp, wesh? Bah, justement, je viens de dire non, parce que ça se fait pas. Il est dans le mais clan comment des t'es blagueurs. Mort la deuxième fois? Bah, la deuxième fois, je sais pas, c'est bizarre, mais je me suis retrouvé bloqué, genre entre deux. Ah ouais, ok, je vois. Entre deux. Oui, couches. Deux blocs. Ouais. Et là, bah, j'ai essayé de sauter pour remonter sur le bloc, sauf que bah, ça m'a fait tomber sur le côté. Aïe. Ok. Bon, allez, bon courage. Merci. Oui. Ok. Mmh.
Hop là. Faudrait mettre un bloc de gold et mettre un panneau où il y a les pseudos des gens qui font des subgifts. En vrai, je pourrais faire. Parce que là, du coup, on a. On a un. En haut du chat, là, il y a un classement de. Putain, je peux plus parler. En haut du chat, il y a un classement des gens qui font des subgifts. Et en vrai, je peux leur faire une petite place spéciale chez moi avec des blocs de diamants ou de. Diamants, je sais pas si j'aurai assez. Mais des blocs de. D'or ou des trucs dans le genre, ça peut être stylé en vrai. Sur le serveur, il y a Rafal, Actuan, Pozu et Sam. On a perdu un bloc quelque part. Pas. Wesh, 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 wesh. Qu'est-ce qui se passe? Bah, apprends à nager, mon ref. Mais arrête. Oh, c'est quoi ça? C'est le béton de Thomas que je lui rends parce que je suis un bon ami. Comment ça, t'es un bon ami? Tu me rends ce que tu m'as volé. Encore heureux. Okay. Là, toi, ta notion de l'amitié, il faut la revoir. Un truc cassé là, ici. C'est. Moi, je suis un blagueur. Attends, mais ta notion de l'amitié, tue un ami pour rigoler, vole un ami et lui rendre parce que t'es un bon ami. Mais on est où là, mais c'était sur le sol, je l'ai pris sans faire exprès, ton petit bloc. Je suis vraiment déçu. Bah, moi aussi. Et retourne pas le truc, hein, c'est toi là, c'est de ta faute. C'est de ma faute, c'est toujours de ma faute, c'est ça? Bah, oui. Bah, la prochaine fois que tu me feras une blague, je te dirai la même. Je te dirais, ah ouais, ça te fait rire ça? Tu fais ça à un ami? Hop. Ouais, bah dis ça, on verra. Mon argument, il était très bancal. Prendre 2 fers, oui. Prendre 5 stacks, faut doser. Putain, c'est mon fer que. C'est le fer que j'ai volé. Donc, vous m'avez dit. Monsieur Actuan. 310, la limite maximum? Alors t'auras tapé au pied de Thomas, ouais c'est clair. En fait j'ai envie de faire une tour de sable et mettre une torche. C'est bon? Oui. Ok. Ouais, il va falloir beaucoup de sable. T'aurais pas un peu de fer s'il te plaît à des pannes? Ouais. T'en as besoin de combien? Je sais pas beaucoup, t'as genre 5 stacks. 5 stacks? Ouais si t'as. J'en ai 2 là. Non bah ça ira. Pourquoi t'en voulais autant? Bah il m'en fallait beaucoup pour le commissariat. Ah ok. Mais du coup t'inquiète. Bah désolé. Non mais t'inquiète, merci. Flo, tu t'es servi dans les coffres? Non, je regardais juste ce qu'il y avait. J'aime bien regarder ce que les gens ont. Oui, ça a cuit ici. Ouais, tu peux mettre les trucs de la viande dessus. Oh, c'est bien ça. Ouais. Ça évite d'utiliser du charbon. Oh putain. Heureusement que vous m'avez dit, ouais, fais un autre coffre et mets tous les trucs à côté. Heureusement. Oh là 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 là. C'est pas passé loin. Oh, vous êtes trop fort. C'est grâce à vous.
c'est quoi ça? Ok. Ah oui, je dois faire le plafond aussi. Ok. Je suis en train de niquer toute sa route. Le seul innocent dans le village, c'est Sam. Ouais, et même lui, je suis sûr qu'il a des trucs à se reprocher. Waouh, c'est ça. Oh, c'est. Ah si, ah ça, ça passe trop bien avec le toit et tout. Avec le plafond. Ah si, ah ça fait un peu bizarre quand même. On dirait hôpital. Voilà, vous l'avez votre hôpital là. Vous voulez que je... Voilà là, waouh, yaï yaï. Putain, ça fait un truc un peu spécial. Hein. Oula, putain. Yaya. Oula, waouh. Waouh, je nique toute ça. Bon, c'est pas grave. C'est super beau. Ça brûle un peu les yeux quand même. Je nique toute sa route. Attends, j'ai envie d'aller voir au-dessus après. Plus que 3. 1, 2. 3. J'ai envie de voir de l'extérieur et tout, comment ça rend. Des big blocs de neige. Aïe. Attends, ça on peut peut-être le... Mais là du coup ouais. Ouais, va falloir trouver une solution. Ouais, ça fait bizarre en fait. Gravier, c'était gravier. Bon, on va pas voir la différence. Ok. Donc 320, il me faut 64, 64, 128. Plus 61, ça fait 189, un truc dans le genre. Donc il nous faut encore beaucoup. Referme le tunnel, ils vont voir que c'est toi. Mais il est refermé le tunnel. Oui, enfin il est refermé. Ouais, mais j'ai pas envie de m'aventurer pour l'instant. Vous inquiétez pas. Et je dirais au pire, je suis pas au courant. Et que quelqu'un m'a fait croire. Ok, il est où Flo? Flo! Ok. Pose où? Ah non, c'est pas celui qu'il nous faut. Pose où? Oui. Tu m'avais dit c'était où le grand, la grande plage remplie de sable? Tu pars nord-est et c'est bon. Y'en a plus, j'ai tout vidé. Ah ouais? T'en auras plein de petites. Ah ok. En nord-est.
Genre là, à partir d'où on est, vers chez Chris et Emma, tu pars là-bas et c'est bon. Ok, d'accord, bah merci. Bisous. Fatima troll. Oh, j'écris bébou. Mais Raphaël, t'as vu créer ce tunnel? Ouais, mais il sait pas que c'était pour voler. Et regarde, il a accusé les gobliniers, donc c'est bon. Ça avance sur le serveur? Ouais, ils avancent pas mal. Chris et Emma, ça fait longtemps qu'ils se sont pas connectés. Mais là, on a des constructions. Là, Thomas, il commence à créer le... Ah, il a mis le drapeau de la France, le commissariat. Petit dojo de Théo. Non, il commence à avoir une belle gueule. Hein. Allez, hop, de la chair pourrie pour Noël. J'aurais pas dû faire ça, il y a encore plein de... Donc il m'a dit nord-est. Fais-nous visiter le truc à ma sueur. Il y a rien dedans, hein, littéralement. Genre, c'est vide de fou. Ils savent pour Basile? Je pense pas qu'ils savent. Et j'ai pas envie de leur dire comme ça, quand ils vont revenir. Ils vont juste voir qu'il n'y a pas Basile. Tu vas où? Je vais chercher du sable ou du gravier, peu importe. Il me faut un truc qui tombe. Qu'est-ce qui s'est passé avec Basile? Il a disparu. Basile a totalement disparu. Ah oui, il y a encore son truc là. C'est la fin du serve. Non, non, c'est bon, t'inquiète. Tout va bien se passer. Ouais, mais son petit truc, son Basile là, il a disparu. On y est pour rien, tu vois. Oh non, j'ai plus de torches. Oh non, j'aurais totalement ramené plus. Il faut que je... C'est quoi ça? Ah, ça a un bug de texture. Ok, wow, j'ai cru qu'il y avait du grès bleu. Ah, génial. Bon, la technique marche trop bien. Je sais pas si elle marche trop bien en vrai. Si, si. Fais F3. Pourquoi je dois faire F3? Aïe. C'était pour voir ta carte graphique. Ah. Tu pouvais me demander.
La technique est crazy. Mais si j'avais eu plus de torches, ça aurait été un peu mieux. No. Putain, j'ai envie de trouver du charbon là. Je fais Alt F4 pour voir. Et ça sert à quoi la technique? Je sais pas, c'est plus rapide, non? J'ai l'impression que c'est plus rapide et ça endommage moins ma... Tu vois tout ce que ça... Mais c'est que je dois casser mes torches après, donc ça c'est chiant. Tu vois, parce que si... Peut-être que je me trompe, hein. L'arche plus rapide, ouais. Papa, il faut que je trouve du charbon en deux spies, là. Un bouquet avec du fer, ouais, c'est vrai. C'est vrai que je devrais faire ça. J'oublie tout le temps de le faire. Crazy charbon, let's go! Crazy charbon! Oula, il. Là, il doit bien avoir du charbon. Ah, peut-être pas. Nous sommes jusqu'à quelle heure? Je sais pas du tout, les gars. Je sais même pas quelle heure il est, 19h. Je sais pas du tout. Jusqu'à ce que je sois fatigué ou que. Que j'estime qu'on ait fait le tour. Oh putain, il devait aller... bien évidemment, il devait en avoir que un. Non, j'ai le sable un peu. Pourquoi t'as pris du sable? Vous allez voir. Pour le meilleur projet du serveur. Est-ce que la salle masterclass va être agrandie par la suite? En vrai, ouais, peut-être. Pour l'instant, là, ça va. Il n'a pas besoin de l'agrandir. Mais en vrai, je me dis pourquoi pas. Dans le futur, après, s'il faut. Hein. Là, pour l'instant, ça va. Tous les resubs, du coup, je les écris plusieurs fois. Je vais pas m'amuser à aller chercher qui n'est plus sub et tout. Non. Tant que vous êtes sub, c'est bon. Mais en fait, il faut que je trouve un moyen de rendre de faire le truc plus rapidement. Je peux pas modifier les signes, je peux pas copier-coller un texte. Genre parce que là, le truc qui serait cool, tu vois, je note sur le livre des subs, les subs. Et ensuite, hop, je fais un CTRL-C et CTRL-V. Et comme ça, c'est bon, tout est rapide. Mais non, du coup, je peux pas faire ça. Il faut que je les retape et tout. Enfin, soit je les fais hors stream. Je fais tout hors stream et comme ça, dans le stream d'après, bah, y a tout qui est là. Mais j'aime bien le faire quand vous êtes là, quoi, aussi. Fais en stream. Ouais, c'est cool de faire un stream. Tu abandonnes Crazy Bird du coup. Mais c'est lui qui m'a abandonné, c'est pas moi le fautif dans l'histoire. Fais un pupitre aussi. Ouais, mais j'aime bien le fait que vous soyez sur des... Sur des... comment on appelle ça? Des panneaux. Sur des pancartes et tout. Et comme ça, je sais pas, quand on rentre, on voit le nom de tout le monde et tout. Pas besoin de feuilleter un livre. Enfin, stream, ça peut se faire en vrai.
Crazy Bird. Crazy Bird, c'est un perroquet qu'on a adopté hier, mais qui nous a abandonné. Ok, et du coup là. Et là on peut faire du fast sable. Voilà là, la vitesse. Crazy man. Hein. Oula, cringe là. Oh mais je sais même pour enlever toutes les torches après. On met un petit seau d'eau, une petite chaudière d'eau. Et il y a tout qui va partir. Non mais là ça va à une vitesse. Ok c'est bon. Ah j'ai mis toutes mes torches. Et là attention, technique de pro. Ok, faut que j'arrête. En vrai, je peux le faire à la main, ça va être. Non, ce sera pas plus rapide. Allez, let's go! On récupère toutes les petites torches. Ok, c'est bon, on va pouvoir faire notre projet, les gars. On a détruit le banc de sable. Et là, on rentre. Ok, ça va être... Là, on fait le plus grand projet du serveur. Ça va très bien, ma soirée de mon côté, Elif. Et toi, est-ce que ça se passe bien? C'est pourquoi faire, vous allez voir. T'as oublié des torches? Oui, bon, ça va, si j'en ai oublié 4. On va faire une dinguerie. J'ai trop hâte, let's go. Bah ouais, moi aussi. Je dois aller manger, bon appétit, moi aussi je commence à avoir faim. Je pense que je vais aller me prendre un petit gâteau là, dans mon armoire. Qu'est-ce que je dois avoir? J'ai des Twix. Ok, j'ai un plan les gars. J'ai un plan. J'étais en train de réfléchir à un truc. Est-ce qu'il y a une prédit là? Il n'y a pas de prédit? Ok, lancez pas de prédit. Mets-toi sur la tour de sable. Bah justement, je vais mettre sur la tour de sable. Et je vais dire au gars, ok, allez là. Et appuyer sur l'interrupteur, ça va déplier un piston et ça va faire tomber tout le sable sur la torche. Et ils vont me voir tomber. En fait, on va faire un spectacle. Comment on fait un piston, les amis? Ouais, quand je vais dans le serveur, quand je vais au village, ça lag. Un piston. Il faut du fer, tatata. Il faut du bois, cobble. Et du coup, du fer et de la redstone.
J'ai pas tant de redstone que ça en fait. Ah, il me faut du fer. Merde. J'ai vraiment beaucoup de sable. Ok, donc on a le piston, on a la redstone. Il nous faut un levier. Hop. Il nous faut de la redstone. Et il nous faut une torche, ça serait bon. Quelqu'un à 33 levels, je paye une fusion de livres. Ok. Ok. Ah maintenant je peux juste faire genre ça. Ok. Et du coup on va juste tester. Ah j'ai pas de sap sur moi, j'ai tout posé. Et masterclass. Ok, je vais poser tout mon stuff. Je vais chercher masse de sable et on va faire l'expérience de fou. Faut pas que ça floppe, faut que quelqu'un vienne activer le truc. Donc hop, 256 là on a. On a dit 320, 256 plus 64. Bon allez, normalement là on aura le... Au pire si on va pas tout en haut là... Il faut que je fasse un panneau aussi pour qu'ils comprennent. Ça va flop. Mais tu vas mourir en tombant. Ouais, je sais. Attends. Ne pas activer. Oui. Oh. Tant que je n'ai pas donné le signal. Merci. Ok. T'es sûr, y a quelqu'un qui va appuyer. On verra. Ok, bon ça va prendre un peu de temps maintenant. On est à la couche 100. Ah mais je suis con, hein, moi je me dis couche 256, mais non on n'est pas à 0 là de toute façon. Je suis bête. Bon bah on aura du sable en trop, je suis débile. Sneak, pourquoi? J'espère que certains n'ont pas le vertige sur les jeux vidéo. Pas qu'on me voit, ouais mais on va me voir, enfin je suis en train de faire une giga tour en plein milieu de la ville.
C'est super beau, non? C'est vrai que c'est un petit style. Appuie sur la touche D. Non, non, c'est bon. Pourquoi il fait une tour de sable? Mais vous en posez des questions, vous allez voir. On va... J'ai envie de voir déjà ce que c'est la limite de tout en haut. On voit même plus le jeu. On voit même plus le village, attendez. Pourquoi ça change rien? Bon. On voit plus le village, les amis. C'est 400 la limite. Bon, on verra. On m'a dit que c'était 320. Enlève le filtre antistropique, c'est ça le bug de texture. Le filtre antistropique. Est-ce que c'est là où... Qualité. Il y est pas. J'ai changé un truc. Voilà, bon. Ok, on peut voir en haut de la cam là le nombre de blocs de hauteur. On voit même plus du tout, on voit rien du tout là. Vas-y, non mais c'est trop. Ok, j'ai teasé le truc, j'ai dit big event à côté de chez moi, à droite de ma maison. Est-ce que l'event va flop ou pas? On est tout en haut, on est à la limite de la map. Big flop incoming, il y aura personne. Il y aura une personne. Ça me va, hein. Je peux tellement pas. Ah merde, ça flop de fou. Ils discutent tous ensemble. C'est quoi ce truc? Ah, il y a un mec qui sneak. Ah ok, en fait je suis tellement loin que je vois juste les joueurs. Le flop. Au moins t'as un beau coucher de soleil. Ah putain, ça flop. Non, c'est trop dur pour moi. Là je me suis déco sans faire exprès, je suis trop con. Oh les gars. C'est flop mais au moins c'est beau. C'est quoi le but? C'est une attraction. Maintenant t'es bloqué. Bah je peux sauter et me fumer la gueule après, hein. Qui attendent maintenant. Il y a toujours le big event si jamais le fait peut... Non, c'est chaud là, c'est chaud. Donc vous avez même voté que c'était un flop. Et ils viennent pas, hein. On voit sur la minimap là au-dessus. C'est les petits points blancs. Le big flop. Petite info, big flop et Oli. Ah ouais, non mais là c'est trop dur, arrêtez. Putain mais... Et Rafale, il avait l'air chaud mais... Oh, c'est trop.
me donne la migraine, Zaf, arrête. Bon. Pourquoi c'est bloqué ? Non, voilà. Salut, ça va ? Chirin, 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 chirin. Oh là là, non mais c'est bon, c'est bon. Où ça ? Ah, Actuan ! À droite de ma maison. Je crois qu'ils viennent ! Je crois qu'ils viennent ! Ah, la grande tour ? Oui, va à la base du truc. Let's go, ça va marcher ! Let's go ! Actu Goat. Voilà, je viens pas à tourner. Mais Sam ! Oh, je les vois sur la map ! Ok, vous êtes prêts ? Let's go ! Hey, tous ceux qui ont dit Zaflop, oh là là, là, bah, arrêtez. Allez-y. Le signal est on. Mais il se passe rien. MDR le blanc. Bah attends, mais il y a rien qui tombe là. Je vois pas. Le plus gros flop. Non, non, non. Ah, c'est bon, c'est bon. Let's go. Woohoo. Let's go. C'était stylé ou pas, les amis? Mais il y avait combien de blocs? Je suis allé jusqu'à la limite. Du... Mais... C'était cool ou pas? Bah c'était interminable. C'était long, ouais, c'était très long. Oh non. Qui au final on t'a pas trop entendu. Bon ok, bon. Bah, c'est mais pas... c'était quand même pas mal. Ça avait l'air plus drôle pour toi que pour nous du coup. Ah, je suis bloqué. Merde. Voilà. Ah, t'aurais du sable s'il te plaît en stock. Bah du coup il a fait une tour de sable jusqu'au ciel. Merci, oh c'est bon, c'est bon, merci, oh, merci. Il lui met le dos au mur. T'aurais du sable s'il te plaît. Bah les gobinis sont venus là, ils ont essayé de d'avoir ouais, un peu d'information. C'était un Zaflop du coup. Ça les dérange. Bah en même temps c'est juste à côté de chez eux. C'est trop près d'eux je pense. Mais je me suis dit ça allait être une technique peut-être. Ah oui au moins ça leur met la pression. Bon attendez j'y retourne, faut que j'avance. Oh! Oh! T'as cassé le circuit? Oh merde! Oh oh! Allez! Mais bisous! Bon. Oula! Qu'est-ce que. Mais non! Mais tu vois bien que c'est pas fait pour ça. Non mais je teste des trucs mec. Okay. C'est un truc de fou. Ok. Ah merde. Oula oula. Oula. Attends, c'est passé trop de choses là. Est-ce que c'était... Mon event était un flop du coup? Pour nous, c'était merci stylé. Merci du sub, hein. T'es trop gentil. Merci Fatsuk pour le sub offert à Rafa. Well, 42, let's go, let's go. Ah oui, attends, il y a tout mon stuff là. Merde, le livre des subs. Le livre des subs. Merci beaucoup pour le sub gift. Le livre des subs. Let's go, let's go. Let's go. Attends, j'ai mis une majuscule sub. Oh merde.
C'était un crazy master flop. 50% flop. Ok. Moi, je pense... Je pense comme vous. C'était pas ouf. C'était pas... C'était pas masterclass non plus, quoi. Au final, j'ai fait un heureux. Il a eu plein de bois. Moi, je suis un mec comme ça. Je suis un mec gentil, au final. J'ai essayé de leur faire kiffer un peu, mais... En même temps, j'ai tellement de sable que bon. C'est grâce à la master technique Zaf. Appelez. Je vais retourner aux toilettes, les amis. De notre côté, c'était pas un flop. C'était nul. Oh, Tib. C'était nul. Un crazy flop. Mais non! Caca, Walibibi, dit. Zaflop, c'est incroyable comme insulte. Mais oui, les gens, ils disent ça. Mes amis, ils disent ça. Ils disent, waouh, le Zaflop. Je suis en mode, ouais. Et vous savez, c'est qui mais c'est les amis qui font ça? Pourquoi tout le monde se déco? Bon, bah, go dormir. Hein. Oh. Mes amis sont justement bah Thomas, Flo, Théo. Ils sont tous les trois à dire ça. On dirait que tu te fais harceler. Mais non, ça va, c'est cool. C'est cool, ils sont gentils. Master Zaf, ils le disent pas, tu vois. Par contre, Zaflop, ils le disent souvent. Hein. T'inquiète, nous on est là. Bah après, vous dites Zaflop aussi dans le chat, c'est ce que je vois. Bon, allez, je vais pisser, les gars. Je vous laisse avec ce magnifique lever de soleil. Vue sur le commissariat. Attends, mais je vous donne tout le temps la même vue en vrai. Je vous mets ici. Yo! Yo, 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 yo! Master Zaf. Oh, vous êtes trop gentil! Oh, Master Zaf! Oh! Oh, ça me fait plaisir alors. Vous avez bien aimé mon projet. Zachiot, j'ai vu. Mais il y a. On arrête de mentir. Ah, ok. Bon, je vais... Attends, je vais enlever ça. On n'a plus besoin. Bon. Est-ce que nos plantations, elles sont prêtes? Ouais. J'ai envie d'aller explorer. Là, hier, quand on a exploré, c'était trop bien. J'ai envie de refaire ça. On est quel jour? On est mercredi aujourd'hui. Ouais, ok.
petite session plantation. Hop les. Ah là je l'ai oublié. Allez hop. Ok. Faudrait que je retrouve ma houe là pour parce qu'il y a des trous, c'est chiant. Retourne prendre de l'XP au Warden. J'ai un peu oublié où c'était en fait. Mais j'avoue je vais faire ça en vrai. Venez on va faire ça. Comme ça on pourra enchanter des trucs et tout. Hop. Ça on le met là. T'as noté les coordonnées? Bah non. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui entendent le visage? Ouais je pense. Mais en fait attends, j'ai plus les coordonnées j'avoue. Donc on va peut-être pas faire ça. Et je sais plus où c'était, merde. Attends, waouh, là ça flop de fou. Faut que je retrouve les coordonnées. En fait, c'était sur un stream. Faudrait que je retourne dans les... les rediffs. Je me rappelle même plus quel stream c'était. Merde. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Qui a fait ça? Eh mais ça c'est... Ça donne sur mon tunnel à moi? Il y avait Calvis sur le stream. Ouais, il était... Bah c'était lui qui m'avait montré et tout, mais je me rappelle plus des coordonnées. Ah. Très joli commissariat. Merci monsieur Zafil. C'est... Waouh, ok. Je savais pas que t'étais aussi fort. Hein. Ouf. Ah non, c'est vraiment waouh, je suis choqué. Pourquoi t'essaies de faire de l'escu là? Mais waouh, on a même plus le droit d'être gentil. C'est surjoué. Mais c'est pas surjoué, je dis la vérité. Quand tu mens, tu pars dans les aigus. T'as fait, c'est pas surjoué. C'est pas vrai, c'est juste ma voix normale. C'est pas vrai, regarde, t'as encore. Mais tu m'as encore menti. Mais non, mais je parle comme ça. Thomas, je t'aime. Mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, mais c'est depuis que j'ai fait ma blague, je sens que t'es un peu énervé. Oui, je suis... Mais mon but n'était pas de te tuer, mon but était de faire une petite blague. Ça, moi, ça m'a amusé. Et tout de suite, toi, tu as vu le côté des choses mal, le mauvais côté des choses. Alors que ta blague était de tuer un ami. À quel moment? À quel moment? Mais non, c'était pas de tuer un ami, c'était de casser ce que tu venais de faire. C'était ça la blague. Moi je savais pas que t'étais tout en haut sur cette pile là. Comment je peux te croire? Bah je sais pas. Tu veux merci que je te fasse un cadeau? T'es trop gentil. Oui, j'aimerais bien. Ah bah, comme par hasard. Moi je t'avais déjà donné un diamant à l'époque. Merci du sub. Du sub c'était pour autre chose ça. Pourquoi tu boudes aussi là? Je boude pas. Ouais, ouais. Bon, ça par contre, cette grotte là, ça me plaît pas.
Là, c'est Pozo qui a fait le tunnel, là. Pourquoi? Mais il y a un tunnel tout le long du commissariat. Ah, mais bizarre. Bon, Thomas, il... Attends, c'est abusé. Il est toujours sceptique. Oui. C'est Pozo qui a fait ça? Attends, je crois que c'est les Goblini. Dès le début, ils ont fait un tunnel qui relie à chez eux. Ah, c'est possible. En fait, on a vu Pozo dedans. Les Goblini sont venus me rendre visite quand j'ai fait mon bâtiment. Et ils m'ont dit, attends, il y a quelqu'un. Et ils ont regardé, il y avait Pozo dans les tunnels. Mais c'était un peu plus bas qu'il se trouvait Pozo. Ah, ok. Donc, il y en a plusieurs. Ah, tu le rebouches, là? Bah, oui, oui. Oui, oui. Donc là, ils ont fait un tunnel le long du commissariat, déjà. Peut-être, ouais. Aïe, 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 aïe. Faudra que tu renforces l'obsidienne. Ouais. Et des renforts à l'obsidienne, ça ferait pas de mal, enfin, je pense. Regarde, je l'aide, là. Ah, il s'en fiche. Je lui donne un coup de main, il s'en fiche. Oh, j'ai envie de casser une vitre. Je vais donner un coup de main. Oh, Drew, t'as retrouvé les coordonnées du Warden. 1982-21-2286. Ok, bon, bah cool. On va aller voir. Attends, du coup, on a notre poteau. Fazouk qui a offert ça à Huffmoz. Je vais vous mettre dans... Oh, merci Zafizaf pour avoir recouvert. Ah, tu l'as remarqué? Bah, ça me fait plaisir. C'est avec le bois qui me restait. Bah, c'est super gentil de ta part. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère petit à petit te faire des cadeaux comme ça. Bah oui, moi j'accepte. Hein. Bon, je vais te laisser. Bonne chance pour ta construction. Je le suce. Merci, Zafizaf. Je le suce. Je le suce de fou. Mais est-ce que ça me dérange? Un couple apparaît là-bas, j'espère. Je préférais l'ancienne sans le toit. Suceur. Ah oui, donc ça c'est l'intérieur de la maison de Théo. Attends, je vais noter les coordonnées que vous êtes en train de me donner. Dans le livre des subs. Hop, merci. Et on va aller au Warden. Oh non, il n'y a plus les panneaux, ils sont pas là. Reprends Crazy Parrot ou des poissons. Les poissons, bah j'ai... Les poissons, on en a mis un, on a une morue dans l'aquarium. Vous êtes content? Ok. Makoshan, bienvenue. Sam, bienvenue. Rafael 42, bienvenue à toi. Ah merde, je me suis trompé. Et finalement, Huffmoz, bienvenue et GG à toi. Hop là. Regardez, il est heureux de fou. On va laisser dormir un peu. Là, ça consomme beaucoup et tout. C'est qui mon voisin de pancarte? Ah, je sais pas. Ça j'en ai trop, ça je vais le mettre là. Hop, hop, hop. Regarde. Ouais, grave, je vais regarder de ouf. Non, mais en vrai. Je kifferais bien vous montrer et tout, mais. Merci du sol, oh t'es trop gentil.
Swoenix, bienvenue, mec. Merci pour ton sub. Attends, pendant qu'on dort et tout, let's fucking go. Attention, je veux un maximum de hype. Okay. Quelqu'un vient de se sub. Ouais. Un sub. Un sub, ouais, un sub. Let's fucking go. Swoenix, bienvenue à toi. Ce sera la scène, la grande scène, au théâtre What the Fuck. Let's go, Swoenix. Merci pour le sub. Je te mets dans le livre des subs. Hop, au revoir. Et bonjour à toi, bienvenue dans le sub. On va dire que... Vas-y, on fait... Ah non, il me faut du bois. Je prends du bois et j'y vais. Notre bois, où est-il? Bûche de chêne. On va prendre celui-là. Hop. Et du coup, vous m'avez dit... attends, mais non, il est là. 1973-2283. Je pense de toute façon c'est par là. C'est genre par là. Attends, je vais peut-être me faire je vais me faire une épée en diamant. Allez, c'est parti. Parce que là mon épée elle va se casser. Ok, on va chercher le wardin. Le wardin. Et pourquoi il n'y a pas mon nom dans les subs alors que je le suis? Bah, il doit sûrement avoir ton nom du coup. Tâche à plus de vie. Je vais pas en avoir besoin, je pense. Prédit. Ah, merde, je regardais le chat, excusez-moi. Il y a une prédit là? Quelle est la prédit? Attends, j'ai envie de voir. La prédiction est: va-t-il mourir avant 21h? Ok. À chaque fois... Tu tiens pas à ton stuff? Non. Non. À chaque fois, vous êtes souvent... Vous êtes beaucoup à dire non, il va pas mourir. Moi, ça me fait plaisir. Tu penses couper tes cheveux ou pas? Non. J'aime bien les cheveux longs. À chaque fois tu dis ça, à chaque fois tu crèves. Ouais, mais c'est, je sais pas, justement, à chaque fois je crève, donc... Donc voter oui, en majorité, je vais mourir, je sais pas. Zaflop va mourir, c'est obligatoire. On verra, mon ami. Maintenant je dis tu vas mourir, tu m'as fait perdre trop de points. Ben voilà, quelqu'un qui apprend de ses erreurs. Il va te one-shot. Non, le Warden n'est plus là. Je crois. C'est quoi le Warden? Le Warden, c'est un gros boss de Minecraft. C'est ce qu'on m'a dit. Je l'ai pas vu. Et là on va dans sa petite cave. Aïe. J'ai même pas pris plusieurs torches et tout. Je fais ça à la zob. J'ai même pas pris de bouclier et tout. Attends, faut que j'enlève les shaders. Je vais juste enlever les shaders. Impossible que tu meurs trop fort, moi je dis. Merci beaucoup, Clara. Bon, le jeu va être moins beau, mais on va mieux voir. Si je meurs, je perds le livre des subs. Pas de shield. Ah oui, j'ai pas de bouclier. C'est vrai. Les gars, ça va bien se passer.
Attends, si jamais on trouve du fer et tout, on peut se faire un bouclier, peut-être. Parce que... Augmente la luminosité. La luminosité, elle est au max, les amis. En vrai, là, ça va, non? Ça commence mal, la ZAF. Ouais, bah après, c'est pas de ma faute s'il y avait un creeper, tu vois. Il faut pas qu'on meure aussi pour le retour, puisque du coup, on aura plein de... Bon, attends, vous savez quoi? Comment faire un bouclier? Voilà. Hop. Je sais même pas si on était passé par là. Mais du coup, on en profite pour miner un peu en fait. On va explorer un peu. Tu seras mort avant. Fais pas de bouclier, t'es plus fort que ça. Non, en vrai, mec. T'inquiète. Ah merde, putain, je sais même pas où c'est. Le Wardan. Je crois qu'on est juste allé dans un cul-de-sac. Ah oui, c'est vrai, on a une épée en diams. Ok. Tu fais combien de FPS en moyenne avec le shaders? Bah là, vu que je stream et quand je suis dans le village, je suis très bas en fait. Et là, ça va, du coup, vu que j'ai pas le shaders et que je suis pas... Je suis pas au village, mais sinon, en vrai, ça descend pas mal, je trouve. Allez, hop, voilà. C'est gratuit, ça. C'est... Bon, allez, je suis trop fort, vous pouvez le dire. T'as quoi comme carte graphique? J'ai une 3060 Ti. Une MSI. C'est ça fort, mais vous êtes trop chaud. Alors, par contre, on va essayer quand même de trouver l'entrée de la grotte. Parce que je crois que c'était ici, mais je me rappelle plus par où on était entré, et ça, c'est chiant. Ouais, le jeu est quand même un petit peu moins beau. Jusqu'à quelle heure STP? Au moins jusqu'à 23h. Je sais pas du tout, les amis. 1973. On va se mettre pile au-dessus. 2283. Ok, Sigma, les gars, Sigma. Y'a que les gigachads qui... Gigachad, les gars. Gigachad. Tin. Oh la dingue, vous avez kiffé, hein. Faut que j'arrête de prendre charbon, c'est bon. Ok, gigachad. J'ai même pas... Ah si, j'ai un seau d'eau, attends, on va le prendre quand même au cas où. Gigachad. Attendez. Ok. T'as des couilles, ça fait plaisir. Attends, c'est quoi cette musique dantesque là? Ok, on va mettre. Vous savez ce qu'on va mettre? On va mettre ça. Ok, Gigachad. Musique de Gigachad. Ok.
Là c'était un gigaflop, mais c'est pas grave les amis. Ta-ta-ta-da. Ok, là ça donne l'ambiance. Là, on va le chercher ce Warden. Enfin, le truc qui donne de l'XP. Let's go les amis. C'était quoi la profondeur? Moins 47, ah ouais c'est bas de ouf. Et juste pour nous protéger au cas où il y a un mob qui tombe, c'est bon. Ok. Oh là là, la masterclass. Oh oh oh. Oh oh. Oh oh. Est-ce que Zafil ne serait pas venu ici? Oh oh. Les gars, on a trouvé le Warden. Je crois que c'était ici. Je sais que c'était bien bas. Moins 21. Let's go! Et là, on y va. Je vais crever. Let's go! Hop les... Oh attends, ça monte de ouf les XP, c'est vrai, putain, what the fuck. Dans 2 minutes il crève, mais pas du tout. On va pouvoir enfin enchanter du stuff en diams. Je voudrais bien enchanter... comment on appelle ça? Une pioche, avoir une belle pioche en diamant. Oh là là, mais attends, c'est incroyable par contre. C'est ouf. Ça donne de l'XP. La musique me donne envie de conquérir le monde. Moi, elle me donne envie de gagner de l'XP là. Oh! Let's fucking go! Je suis heureux, premier degré. Let's go. Alors le Warden, on cache des... On a des petits secrets. C'était censé être stylé. Attends, mais c'est quoi qu'il a eu? Intrusez-vous dans la forteresse du Nether. Ah putain, il y va, Raph. Let's go les amis. On est quoi? On est niveau 17 déjà. Attendez, ça va être galère. Oh là là, mais quel bonheur, mais quel bonheur. Oh là là, oh là là, oh là là. Non mais c'est trop, c'est trop. Oh là là. Arrêtez-vous, monsieur. Oh là là, les amis. Let's go. Oh là là, waouh là là, je suis trop content là, incroyable ce qui vient de se passer. Je suis premier degré, je suis heureux là. C'est satisfaisant, ouais en plus c'est satisfaisant. Ah oh, mais ça, là je sens qu'on va retomber, on va retrouver des diamants là. Il a caché trop de secrets notre Warden. Merde. Let's go, let's go. Masterclass, Master Zaf, allez let's go, la dingue, mais oui. Ah là là, putain Calivis il m'a donné des bonnes astuces hein. Merci du sub. Oh j'ai eu trop peur, premier degré. Merci encore du sub offert à Bizarland, merci Fatzuk. Tu régales. Regarde, on va trouver un diamant dans 3, 2, 1. Pour toi, le diamant il est où? On trouve le diamant pour Fatzouk. Cringe, bon. Il n'y aura pas de diamant pour toi, je suis désolé. Attends, attends. Mmh.
Bon, t'as un peu niqué le truc. C'est pas grave. Non, merci beaucoup, Fatsuk. On va rajouter le nom du sub dans le livre des subs. Bizarreland, bienvenue à toi. Si tu vois un gros monstre couleur bleu foncé avec une tête et des cornes courtes. Ouais. On m'a dit ça, c'est le Warden lui. Et apparemment il one shot ou je sais pas quoi. C'est quoi ça? Ça fait peur un peu. Ok. La furtivité en question, ouais bon. Oh là là. Oh là là, tout l'XP. On est niveau 25. C'est magnifique. Bah GG à tous. On l'a fait. Ah, il en reste encore en plus. Et on a trouvé du diamant, on a trouvé 4 diamants, ça c'est trop bien aussi. Non, ça donne pas d'XP. J'ai tout le temps l'impression de voir des diamants, ça me stresse. Ah, il y en a là-haut. J'avais pas vu. Pourquoi y... Ah bah c'est moi qui avais créé ça. J'avais trop peur là parce qu'il s'approchait du Warden. Kalevis. Maintenant cours. Attends, il en reste. Attends, mais il y en a encore plein. Attends, ça on l'avait pas vu. Attends, c'est quoi ça? On a un nouveau spot? C'est safe. On fait tous un maximum confiance à Nati Teuf. C'est safe, elle skip aucun bruit. Bah, je suis en train de détruire son... T'es sûr que c'est safe? Ouais, vas-y, ça a l'air safe. Oh, j'ai eu trop peur. Par contre, ça y va, hein, ça détruit bien les... Pourquoi j'ai un œuf? Qu'est-ce que je prends là avec ça? Alors déjà on va enlever ça. Fait en diams. Bon, en vrai j'ai pas tant de diams que ça, donc je me dis Après là j'espère qu'on va retrouver des diams, en vrai ce serait cool. C'est quoi le niveau max du coup? C'est quoi le niveau max qu'on peut avoir dans le jeu? S'il y a un niveau max, ça se trouve, il n'y en a pas. Je sais que c'est niveau 30 pour enchanter. Mais moi, je peux choper combien de niveaux? Il n'y en a pas. Ok. Oh là là, mais c'est tellement satisfaisant, c'est un truc de ouf. Mais c'est hyper grand le truc. Plus t'en as, mieux c'est. J'ai envie de trouver des diamants maintenant du coup. Attends, ça je vais prendre.
Du fer, c'est dommage, on en a plein à la maison, mais là, en fait, j'en ai pas pris assez. Je m'attendais pas que ça y en ait autant et qu'il faille qu'on ait besoin de autant de fer. C'est immense, what the fuck. Ouais, on est d'accord. J'espère que je vais pas tomber à court de... Alors, j'ai pas fait exprès, les amis. Mais si on a besoin de pelle, on en a. Putain, je suis trop con. C'est pas grave. Oh là là. Cringe, là, cringe. J'ai 5 pelles là. Alors attends, là il y en avait encore. Ah, j'ai l'impression qu'on va retrouver des diamants. Je sais pas, je le sens. Je sais pas, vous le sentez vous aussi ou pas? On va retrouver des diamants ou pas? J'ai l'impression que oui. The flop. Ouais, là c'était le pire flop de tout le serveur là. On est niveau 30! Jamais été niveau 30 dans le serveur. Ok. On continue, on va retrouver du diamant. On va retrouver du diamant là. Oh, j'y ai cru. On prend quand même, ça donne de l'XP. Est-ce que ça continue? Non, ok, ça s'arrête enfin. Donc là on a tout pris pratiquement. Hop, hop les. Ah, on n'a pas trouvé de diamant du coup, un petit peu... Zavgoth même avec 5 pelles, ok, ça me fait plaisir. Pourquoi on m'a dit stop? Pourquoi Zeno tu m'as dit stop? Laisse un peu pour que ça se propage à nouveau. Ah. Ah, ça se propage, je savais pas ça moi. Ok, merci pour l'info. Bon, je savais pas que ça allait se propager. Bah du coup je vais en laisser un peu s'il en reste. Ok, bon. Bon là on est niveau 31, on peut aller expéder des trucs, non? On peut aller enchanter des trucs. C'est quoi le succès de Raph? Dans le feu de l'action, dérober une barre de Blaze. Mais il essaye d'aller dans l'end ou quoi là? Je crois que c'est avec ça qu'on va dans l'end. Pour faire des yeux. Ah, il faut des yeux de Enderman. Il est tombé de ouf là. Cringe de ouf. Attends, mais j'essaie de monter ça là. Attends, d'être level 45-50. Pourquoi? Mais là, je peux aller enchanter des trucs, je comprends pas. Mets-toi 33. Okay. Ça change quoi, les amis? Ça sert à quoi d'attendre d'être niveau tel Ça sert à quoi, dites-moi? Parce que pour moi là je suis niveau max. Enfin, je suis au max de l'enchantement, donc ça, pour moi ça change rien. Mais si vous me dites que il y a des trucs qui changent Plus de possibilités d'enchantement. Non, t'inquiète, on s'en fout, rentre, non. Comme ça te fait 2 enchantements niveau 30. Ok, parce que quand tu... Ok, d'accord, je crois comprendre.
pour en faire que un, mais après je pourrais regagner d'XP, enfin c'est pas très grave au final. Ils vont chanter qu'un seul truc niveau 30. Est-ce que, genre là, par exemple, je fais une pioche en diamant, je l'enchante, je voudrais genre fortune moi, je voudrais bien avoir fortune. Donc par exemple, je vois truc niveau 30 sur la table d'enchantement, et il y a écrit fortune, je sais pas combien, fortune 2, je sais pas, je dis de la merde. Je sais pas si ça existe, oui ça existe forcément. Donc c'est écrit fortune, est-ce que je peux avoir un truc genre efficacité en même temps, dans le même enchantement? Ou alors je dois avoir... Ou alors je dois avoir un truc avec le... des livres ou des choses comme ça. Genre avec un enchantement, je peux en avoir plusieurs, je veux dire, en cliquant sur le même truc sur la table d'enchantement. Je sais pas si je me fais comprendre, mais je pense que oui. En gros là, en gros c'est un peu un jeu de hasard. Ouais, ça va être sympa. Ouais, mais tu peux pas choisir, faut de la chance. Mais Unbreaking, comme ça, t'as de l'XP, elle se régénère. Non, ça, c'est raccommodage. Je sais que... il y a un village... qui fait raccommodage, il me semble. À côté. Je crois que c'est Raph qui m'a dit ça. Ouais, il est parti, le bug. Allez, faut vite qu'on parte par contre. Mending. Utilise plein de livres et des bibliothèques. Je sais qu'il y a déjà des gars qui ont des bibliothèques et tout. Enfin, qui ont des tables d'enchantement avec des bibliothèques donc dans le village. Donc je vais utiliser ça. Le Warden, je l'ai trouvé pendant un autre stream. Je suis tombé dessus par hasard. Zaf, faut mourir un jour. Ça, il reste. Vous avez encore 13 minutes, il me semble. Et je vais pas mourir maintenant. Ah bah, on était rentré par là. Et hop les. On a fait le Warden. Enfin, on n'a pas fait le Warden, on a récupéré toute sa bouffe. J'ai envie de l'enlever ce truc. Ouais, non, je vais pas réussir. Oui. Remel Shaders. Je veux bien, mais en fait, quand je fais ça, il y a un bug avec Optifine. Du coup, faut que. Laissez-moi quelques secondes. En fait, faut que je relance le jeu. Bon, il est pas si dégueu que ça le jeu. Je vous montrer ce que c'est avec le shaders. Hein. Vous allez vite regretter. Voilà les amis. On va essayer de rentrer comme ça. Au moins j'ai remis le shaders. C'est plus joli comme ça. Oula. Je vais tellement mourir. C'est mieux. Vous aimez bien? Je crois que la maison est par là. Alors attends, parce que c'est un peu difficile. C'est un nouveau texture pack en fait. Je vous ai menti, c'est pas du tout un bug. C'est un nouveau concept visuel Minecraft. Meurs pas. Je vais pas mourir, c'est bon. Aïe, oh non. Ah, il faut que je mange du... Mais ça va, en vrai, c'est pas... Juste on voit à travers les trucs. Genre là, c'est notre maison avec Raph. Je crois qu'on peut voir à travers. Ouais, genre là, on voit qu'il y a une torche. Bref. Ah, il faut pas que je regarde trop, sinon ça va me spoiler des trucs. J'attends de rentrer à la maison. Mais Faithful. Non, j'aime bien le pack de textures de base, moi. Fais gaffe, mais vous inquiétez pas, je suis au village. Ouah, Bruno. Ouah, Bruno, frère, t'as Géchant. Ah, Bruno, il fait un petit peu peur maintenant. Vas-y, je vais pas faire chez Thomas. Bruno, il a Géchant. Ah, j'ai récupéré mes...
Ouah, l'inventaire est illisible. Je redémarre le jeu. Il fait toujours... Il a toujours fait peur, Bruno. Ouais, c'est vrai, en vrai, t'as pas tort. Je baille. Oh, les gars, du coup, je vous ai pas dit. J'ai pu faire la demande pour être partenaire Twitch. Donc, je serai partenaire Twitch à un moment. Si tout se passe bien. Non, j'arrête pas, je redémarre le jeu. Salut, Lolita. Je crois que ça change rien, mis à part... Enfin, il y a des petits trucs qui changent, mais je vais être certifié, en gros. Voilà, petit flex. Mais, du coup, ouais, j'ai pu faire la demande. Et hier, j'ai dû couper mon stream parce que je devais faire caca. Voilà, anecdote. Est-ce que tout va bien? Oh, attends, mais non, mais c'est trop, frère. J'ai 11 FPS. Pourquoi vous voyez pas le jeu? Ah, c'est bon, ok, enfin. On voit pas, ouais, c'est bon. Mec, par contre, c'est je lag de fou. Ah oui, mais je suis toujours là-dedans, moi. Il faut que je m'achète un nouveau processeur. Ah putain, mais toutes mes pelles, je vais me foutre en l'air. Putain, ça me rend fou. Ok. Ah, mais c'est ça qui me fait laguer. C'est lui qui me fait laguer. Ok, je me demandais pourquoi. Mais oui, c'est Thomas. C'est Thomas à faire avec tous ses blocs. C'est lui qui fait laguer le serveur. C'est un ouf. Tu veux pas mourir pour l'entertainment? Non. Il y a Rafa, l'actuel, Pozo et moi. Et je crois qu'on est tous les quatre à stream. Ah oui, du coup, attendez, on peut aller enchanter. Ouais, non, c'est lui qui me fait laguer. Offre des pelles à Actuan pour t'excuser. C'est vrai que j'en ai tellement maintenant que... Il est revenu l'ours polaire de Chris? Je ne pense pas. Ok. Efficacité 4! 3 niveaux d'enchantement. Ah ok, d'accord. Je prends? Ok. C'est pour les pioches, c'est ça? Il me faut raccommodage, hein, vraiment. Oh la merde. Vérifie. Si tu l'as fait. Ta. Ok. Allez, hop, au travail, hein. Allez, plus vite que ça. Allez, la police. Oui, je fais plus vite. Hop. T'as vu, je t'aide pour me pardonner. Merci, c'est gentil. Bah voilà, tu veux des pommes de terre? Non, c'est bon, c'est ira, merci. Okay. Ça va, j'ai été gentil, je me rattrape petit à petit. Bon courage. Merci. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu... C'est la requête ultime et je pense que je pourrais te pardonner après ça. Ok.
Est-ce que tu sais où je pourrais me procurer un chien? Un chien loup comme le tien, que j'aime beaucoup. Il faut aller dans une forêt. Et là, tu vas plein nord, t'as une forêt et tu peux en trouver. Il y a un élevage là-bas? Il n'y a pas un élevage, mais il y a des loups sauvages que tu peux apprivoiser avec un os. Et t'aurais une croquette, enfin t'aurais une étiquette pour que je puisse le renommer après? J'ai pas d'étiquette, malheureusement. C'est malheureusement très rare. Merde. Bon, merci quand même. Si jamais j'en trouve une, je peux te tenir au courant, quoi. Merci mon ami. C'est gentil de ta part. Au revoir. Au revoir. Il voulait me voler un name tag. Il voulait me voler une étiquette. Ok. Ok, on a une pioche en diamant. Par contre, tu lui as fait quoi? Je l'ai tué sans faire exprès. Donne-lui le faux Crazy Woosh. Je sais même pas si je peux changer de propriétaire comme ça. Est-ce que je pourrais mettre... Parce que là, j'ai efficacité 4. Est-ce que je pourrais mettre genre raccommodage après? Ah, mais ça me coûte super cher! Ah, attends, on va pas faire ça alors. On va up les niveaux, on va attendre d'être niveau 30. Et une fois niveau 30, on va retourner à l'enchantement. Pourquoi t'as pas enchanté la pioche directe? Parce que je l'avais pas faite et on m'a dit vas-y fais-le. Du coup je l'ai fait. Mais du coup vas-y, il faut qu'on prenne deux niveaux. Comment on pourrait prendre deux niveaux? Genre rapidement. Tuer des monstres? Je sais pas si tuer des monstres rapporte tant de niveaux que ça. Quartz au Nether. Ouais mais j'ai pas envie d'aller au Nether, je vais me faire fumer la gueule. Putain mais c'est des mini zombies. Attends, ils sont en train de me fumer la gueule. Attends, déjà, là, on a fait cuire du fer. Oh, ça m'a pas donné tant que ça. Casse les couilles les bébés zombies. Là il doit avoir bien des mobs qui vont spawn. Si tu kill Actuan tu voles ses niveaux. Oh, c'est pas le but. J'ai pas envie de le tuer non plus. Bon ok, on va farmer. Ah si, on les aura là. Ah je sais pas. Désolé si vous voyez pas beaucoup du coup. On va essayer de choper des niveaux du coup. Faut qu'on trouve des méchants. Il y a eu quoi là? Ok. Il y a pas de méchants, c'est quoi ça? Ils sont où? Je vois vraiment rien. J'imagine pas vous sur le stream. Va la ferme XP. Les golems doivent sûrement lâcher de l'XP. Je pense pas en vrai. Aïe 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 aïe. Oh là là. Ah là il y a un ennemi. Non, non, non. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. On est niveau 29, il nous manque un niveau.
Mec, je comprends pas comment ça se fait que je lag autant. Genre, en vrai, y'a pas... Enfin, je veux dire, le serveur, y'a pas tant de choses que ça. La pluie. Ah ouais? Creeper. Saute en tapant pour faire plus de dégâts. Ouais, ouais, je vois. Putain, c'est vrai que la pluie, c'est infernal. Ah, y'a pas un truc quand tu reproduis des animaux entre eux, ça te donne de l'XP? Fais Weatherclear. Ouais, non, mais j'ai pas les droits, en fait. Si. Là, je vais le faire genre des poules. Il faut quoi pour les reproduire? Ah bah, il faut pas, en fait. Je suis trop con, c'est des œufs. Les cochons, il faut quoi? Il faut des carottes? Des graines poules. J'ai pas de graines. J'espère qu'ils ont des graines. Ils ont plein de graines. Est-ce que ça donne de l'XP au moins? Oui, ça donne de l'XP. Allez, faites des gosses là. Ah merde, j'ai planté des trucs. Bon, ils auront du blé. Ah, ils me suivent tous. Ok. Pour les cochons, je dois faire un truc en particulier ou pas? Les cochons, à mon avis, ça doit pas être ça. Carottes. Il faut des carottes, ok. Et les vaches, il faut quoi? Il faut du blé, les vaches. Je crois que c'est ça. J'avoue, je me crois un peu chez moi, mais... C'est XP super vite avec le quartz. Mais j'ai pas envie d'aller dans le Nether, je vais crever. Bon, je suis bientôt niveau 30. Qu'est-ce que tu fais? Je fais reproduire les animaux entre eux. Chris et Emma, ça fait longtemps qu'ils sont pas Ouais, ça fait un peu de temps, je crois qu'ils... Ils ont un agenda un peu dur, un peu rempli en ce moment. Tu les, ça donne de l'XP. Bah, je voudrais bien, mais c'est pas mes animaux. Récupère l'XP, je les ai pas pris. Salut Bambi. XP au sol, XP au sol. Ah oui. Oh, ça valait le coup. Ah oui, parce que je l'avais saccagé le truc. Ouais, ils l'ont pas trop. Massu, il ne peut pas live. Et il ne livera pas aujourd'hui ni demain. Parce qu'il est occupé. Tu as les poules Dibs aussi si jamais. Ah ouais, bien vu, bien vu. Ah oh, attends, mais j'ai plus de. Oh non, il n'y a plus de graines! En même temps, je suis vraiment dans un truc où c'est écrit servez-vous, donc normal. Fais une ferme XP. Je ne sais pas faire une ferme XP. Je pense que c'est un peu galère, non? Vas-y, de toute façon, ils vont même pas s'en rendre compte que je leur ai pris ça. Aïe. Ok. Tuto YouTube. Sait que Basile a disparu, ben je sais pas. Moi j'ai rien dit. Je me dis, ça me ferait rire que là, ce prochain stream il se connecte et il fait il est où Basile? Mais ouais, personne sait comment. Bah, Basile a disparu comme ça. Hein. Fallait lui mettre une étiquette. Ça me fait pas d'XP là? Ah si, si, oh si. Oh incroyable! Oh, oh oui, niveau 30, niveau 30. Allez, faites des bébés, oui. GG à tous.
Et de rien, Ibs, du coup. Bon, allez, c'est bon, arrêtez le monsieur. Regarde. Ils sont un petit peu trop éloignés, à mon goût. Une poule est dehors. Ok. J'ai la pioche sur moi, les amis. Ok. Vous êtes prêts? Si on a efficacité 4, sum. Solidité 3. Oh, c'est bien ça, non? Is it good? Est-ce que c'est le meilleur ou pas? Ou est-ce qu'il y a solidité 4? Faut fortune. Mets ton épée pour voir. Aura de feu 2. Il faut fortune. Là, on a efficacité 2. Ouais, on s'en fiche. Mais est-ce que je peux mettre genre solidité, efficacité, fortune et raccommodage? Prends aura de feu. Aura de feu, ça brûle les gens. Ça vaut le coup? Ah, ça peut me faire des... Ça coûte trop cher. Aura de feu, c'est bien vraiment. Non, pas aura de feu. Je prends aura de feu ou... Aura de feu 2, masterclass. Oui, non, vous... Décidez-vous. Ça sert à rien, l'épée. Aura de feu. C'est mieux, efficacité. On a déjà efficacité, on a le livre. Donc, aura de feu 2. Et là, on a solidité 3. C'est pas... L'épée, c'est pas genre tranchant qui est bien aussi? Non, mais l'épée Osef. Ça coûte trop cher pour ce que c'est. Sinon, il y a châtiment 2 et châtiment 1. Ouais, répondez au sondage, les amis. Ou alors, attendez, peut-être... peut-être que... Attends, je vais chercher un livre. Je vais chercher un livre et on regarde si le livre nous met un truc sympa ou pas. Si le livre nous met par exemple fortune 3, par exemple, on prend. Châtiment s'est éclaté, ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, j'ai trop d'œufs. Après, aura de feu, c'est cool comme ça. Quand tu tues les poulets, et ben tu as un poulet grillé directement. Reset les enchantes pour un livre. Pour un XP. Ouais, mais après, du coup, on sera niveau 29. T'as deux chiens? Ouais, j'ai deux chiens. Mon perroquet a disparu. Il est porté disparu, je sais pas où il est. Il nous a pas suivi, ce petit con. Mets un plastron en diams. Attends, moi je veux ma... En fait, je veux une pioche et tout, moi. Merci du sub, t'es trop gentil. Oh, Anouk, merci pour ton prime. Affinité aquatique, oh, ça pue la merde. Merci Anouk pour ton prime. Vas-y, let's go. Let's go. Merci Anouk pour ton... Waouh. Anouk R pour ton prime, let's go. Oh, Bruno ou quoi? Oh non. Oh shit. Tu vas faire partie de la... salle des subs. Je mets juste ton nom là en attendant. Et j'attends qu'une dernière personne soit là. Pour te mettre. Voilà, merci, c'est très corporate. Donc. Petit livre de sub. Prends l'aura de feu premier degré, c'est beaucoup mieux. Et la solidité, si t'as efficacité,
c'est nul. Vu que t'as déjà le livre. Ah ok, d'accord. Et du coup le sondage, bon, c'était Aura de Feu. Et peut-être on aura autre chose, hein. Les gars, vous... 3, 2, 1... Prends pas... Ah, mais vous m'énervez. Mais non, mais de toute façon, jamais personne merci sera d'accord. Sub, t'es trop gentil. Oh, merci beaucoup de ton sub. Zane. Son pseudo était très long. J'ai pris... Oh, mais c'est pas mal, ça. C'est pas mal, non? Affûtage 4, aura de feu 2, affilage, je sais pas ce que c'est. À chier. C'est nul. Mais quoi, c'est nul? Force à toi, Zaflop. Mais c'est trop bien, non? Pour moi, c'est cool. Affûtage 4. C'est quoi, affillage? Attends, déjà, j'ai le jeu en québécois. Je vais enlever ça. Je vais mettre en français. Fallait prendre la pioche. C'est trop tard, les gars. C'est trop tard. C'est trop tard. Regarde la pioche maintenant. Ouais, j'avoue. Ah oui. C'est grand le village. Enchantement chez Ibs. On va regarder la pioche du coup, ce qu'elle me donne. Efficacité 4. Bon. Affinité aquatique toujours. Tranchant trop cool en fait. Bah ouais. Tranchant 4, aura de feu. Oui, ça s'appelait affûtage parce que je l'avais en québécois le jeu. Tranchant, c'est très bien. Est-ce que t'es bien niveau nourriture? Hello, en vrai, ça va. Oula, pourquoi qu'est-ce que t'as fait? Mais mec, comment ça se fait que t'en as autant? T'as fumé toutes tes vaches? Bah non, mais c'est que là, je commence à avoir les coffres remplis, donc... Ah ouais, ok, bah ouais, tu régales. J'en ai un peu de cuir. Tac. Puis vu que je voulais donner du coup bah ou tiens, parce que du coup moi je vais déco, si tu peux donner ça à... Vas-y. À Rafale pour qu'il se pète bien aussi et comme ça vous serez tranquille. Eh regarde, j'ai fait cette épée, est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses? Il y a des petites voix qui disent que c'est pas ouf. Moi je trouve ça bien. Ça va, ouais ça va. Tu peux me rendre mon épée? Pose où? Flo mon épée en fait. Flo, t'as récupéré mon épée? Flo! 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 Pozo! Non mais il est parti où? Pozo, mon épée! Yo! Tiens, parce que tu t'es trompé en fait, tu t'es trompé dans le dos. Ah voilà. Ok, parfait. D'accord. Ok, ça marche. Ah ouais, bah c'est celle-là. Nickel. Ok. Bah bonne continuation. Ah, ça marche bien. J'ai fumé l'abeille. Est-ce que t'as eu ça juste en mettant tranche en 4? Et t'as eu tout le reste? J'ai eu aura 2. Fais grave derrière toi. Merde. J'ai mis aura 2 et j'ai tranche eu tranche en 4. Ouais, je vais crever. Bah c'est ton problème du coup. C'est toi qui as voulu t'attaquer à elle alors qu'elles t'ont rien fait. Attends, à l'aide. Si je te mets une petite flèche genre. Non, arrête. Ah non, je suis tellement low. Une petite. Juste non, une petite. Arrête. Genre juste pour voir ce que ça fait. Oh waouh. Ok. Bah mon ref. Bah mon ref. Je fais juste un truc, t'inquiète. Papa. J'attends un peu. Pali papu. Et toi la forme? Oh, tranquille. Je viens de ramasser ça par terre. Je pense que dans la fuite t'as dû. C'est possible. Elle s'est calmée l'abeille. Je pense. Bah tu les as toutes butées donc il est arrivé un moment. Ah ouais merde. Désolé. C'est quoi ça? Ça sert à quoi des fioles de miel? Oh, ouah le prank! Ouah le giga prank! C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a en dessous? Ah c'est sa mine! Ouah ça m'a fait trop peur! Ouais, le giga prank! Ouais, c'est toi qui l'as. Bah écoute, oula! Oula! Oula, il aime bien les pioches en pierre!
Ah oui, c'est... On dit de moi que je suis un rat parce que, genre, dans mes... Dans mon minage opti, je creuse entre les lignes pour économiser les torches. Mais alors là... Ah oui, ok, big rat. Se faire... Oui, mais attends, se faire un stock de pioches en pierre, quand même. C'est vrai que... C'est du jamais vu, ça. Vas-y, je les prends. Je suis désolé, Larsen, je lui ai volé deux trucs déjà. Allez, go, go, go. Bon, du coup, bisous. Ouais, bisous, mon gars. Ciao, ciao, ciao. Et bon, ciao. T'es là demain ? Bon, bah, tu sais. Ok, ça va bien. Moi, je suis dans les logs de ce serveur. Hein. Tu sais, tu te co, je suis là, tu te déco, je suis là. C'est vrai, c'est vrai. Ok, bon, bah, vas-y, à demain alors. Prends soin de toi. Ok. On a de l'émeraude. Pourquoi j'ai pris l'émeraude? Parce que on doit aller chercher raccommodage. Et je crois que ça coûte cher. Jamais un live où ils volent pas. C'est bon, c'est bon. On déconne. On déconne, on est là. Attends, mais l'émeraude il est où? Ah, il doit être là. Vas-y, j'ai que 5 émeraudes. Attends, déjà j'ai trop de trucs là, il m'a passé trop de trucs. Béton noir. Ah merde, ça c'est. Je l'ai volé à. Hop, hop, hop. Ça, on va mettre la petite flèche. Du coup, on a toujours la pioche. On va aller check du coup ce que ça au village. 19 émeraudes le livre. Raph, il est dans le Nether, je crois. Poulet Raph, faut que tu donnes le poulet à Raph. Je vais lui faire. Je vais lui mettre dans ses coffres. Wow, premier degré, Sam, c'est... Salut, c'est Sam, je construis ma maison. Le premier qui touche, le DDoS. Sam, en vrai, il est chaud. Hein. C'est plus joli que chez moi, en tout cas, ça c'est sûr. Regarde, je te montre Yakitko ce soir. Fais-toi un ampoule. Un enclos à poule. Avec, du coup... Tes œufs. Le livre c'est entre 9 et 20 émeraudes. Ah ouais. Je vais mettre tout ça là, vas-y. Et moi j'ai pris trop de steak là. Mais j'ai trop de bouffe sur moi. Dwar live, j'en ai aucune idée, je sais pas du tout. Attends, du coup, je vais déposer tout ça. Je vais voir au village ce que je peux faire, du coup. Je vais mettre ça là, comme ça. J'avoue, je vais faire un enclos. Mais en fait, les poules, ça me saoule parce que ça fait trop de bruit. Donc, je vais pas faire ça maintenant. Et je vais aller au village. Et normalement, je peux aller au village. Alors, normalement, si je me trompe pas, je peux aller au village grâce au Crazy Express. Le métro là. Donc on va faire ça. Ta maison, les autres, merci 4 play. C'est très gentil. Ça a marché le truc pour voler le fer de hibou? Ouais, j'ai beaucoup de fer du coup. J'ai un accès qui donne juste en dessous du coffre. Mais je peux me faire cramer très rapidement. La sonnerie SNCF, oui, c'est très drôle, il est très chaud, Ibs. Donc normalement, si j'ai bien compris, ça va donner sur un autre village. On verra. Enfin, sur un village tout court. Et là, ça ralentit, c'est mal foutu. Hein. Si je puis me permettre, c'est mal foutu. Boum.
suppose, ou à quitter. Ok. Ips a dû galérer. Bah, en vrai, ouais. Ça, c'est stylé. Genre là, si t'éclaires tout avec des torches, ça peut être trop beau. Ok. Hop, hop, hop. Oula. T'as miné l'XP de la grotte? Ouais. Ouais, c'est vraiment dans le village que ça me fait bugger. Dans Crazy Town. Dans le centre-ville. Mais du coup, normalement, il y a un bug qui donne raccommodage. Voilà, c'est lui. Ah merde, j'avais pas vu. Désolé, Mans. Ah bah pas du tout. Je me suis trompé de fou. Ah, tu peux lui donner des bâtons. Quoi, des bâtons? Il te donne un émeraude? C'est cheaté? On peut fermer les émeraudes là? Attends, mais y'a pas un... Je crois qu'il y avait un gars avec raccommodage. Avec raccommodage. Raccommodage. Je pense pas que ça s'écrit comme ça. Petite pensée aux villageois séquestrés. Ouais, mais je crois qu'il y avait un libraire du coup. Il s'est passé quoi ici, wesh? Oui, il y en a un. Peut-être je sais juste pas chercher. 20 diamants pour un livre si tu veux. J'ai même pas les 20 diamants. Mais attends, mais du coup, c'est peut-être pas ce village alors. C'est peut-être pas ce village. Parce que là, il y a un fléchier quoi. Je savais même pas que ça existait, un mec qui vend des arcs. Bon bah ça doit pas être ici. Ah! 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 Let's go! Let's go! Ok. Ok, donc il est là. Raccommodage 18. On en a 5. Donc, et là le mec, donc je pense que le mec là-bas qui est séquestré, c'est parce qu'il a des bons taux, genre 32 bâtons, c'est pas cher du tout. Donc on va essayer de farmer les bâtons là. On va lui donner des bâtons. Donc on va faire ça, ouais. Ok, nickel. Nickel. Trop cool. Tu finis le stream quand? Je sais pas encore. Je t'avoue. Il est quelle heure? 21h? Je pense peut-être 22-23h, un truc dans le genre. Je sais pas encore. Ça se trouve là, dans 10 minutes, je vous dis... ah bah j'y vais. Ah merde, car je veux prédit. Est-ce que tu pourrais faire des prédits? Je sais pas, j'ai pas d'idée là. Mais est-ce que vous avez des idées de prédits? Or, je meurs. Mais en fait, c'est un peu difficile d'avoir des prédits hors ça. Salut Flynn, salut LOL, patron Juju. Il te faut 400 bâtons. Attends, 32 bâtons égale 1 émeraude, il me faut 13. Donc 32 x 13. 32 x 13. Faut 416. Bon, faut 416 des bâtons.
416. Voilà. En gros, il me faut 26 stacks. À un moment, tu pourras plus trade avec le villageois, il faudra attendre le lendemain. Ah ouais. 26 stacks, j'ai dit oui, 6 stacks et demi. Bah normalement je vais pouvoir le faire. Mais ok, oui, ok, à un moment il veut plus faire le trade. Ok. Salut Géré, Flix. Je vais littéralement craquer. Hein. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est bon. Il me faut un livre, si jamais ça passe. Et là, du coup, il me faut mes... Hop. C'est quoi mes prochains objectifs? Bah, en fait, là, je pense que je vais juste... là je vais voir si je peux prendre accommodage. Si je peux, bah cool. Et après je pense, j'ai pas trop envie de construire là actuellement. Donc je pense qu'on fera plus genre d'exploration ou du minage. Non, lui des plumes et des ficelles. Mais ça je pense que j'en ai pas tant que ça en fait. Tu pouvais avec le bambou. Ah putain, ça c'est une bête d'anecdote, tu vois. C'est une bête d'anecdote. J'ai envie de fixer ça. Ah, parce qu'il n'est pas alimenté. Ah, je vais me foutre en l'air. Ah! Un enclos pour poules. Je pourrais faire ça, mais faudrait pas que je le fasse à côté de chez moi parce que le bruit il m'insupporte, moi. De toutes les poules là qui. Reste appuyé sur Z. Ouais, ouais, mais ça te ralentit quand même dans le truc. La prochaine fois, tu feras avec du bambou. Ouais, du coup, je savais pas, merci pour l'info. Ok, donc là, il est là, notre pote. Let's go! Ok. Ok. C'est lui, notre pote? Ouais. Let's go! Et j'ai quoi? Ah, du G vendu. Commercer avec un villageois. Et hop, les gars, on a raccommodage. Bah, ça fait plaisir. Bon, bah. Ça se passe plutôt bien. Donc, ça, je pourrais le mettre sur la. Donc ça je pourrais le mettre sur ma pioche. Il me faudrait fortune du coup. Si j'ai fortune, je suis bien. Fortune, efficacité 4, raccommodage plus solidité. Ça serait cool. Salut Corail, j'ai l'impression de te dire Corail, j'ai l'impression de te dire bonjour genre 6 fois par jour. Tu mets raccommodage sur tout ton stuff de toute façon. Ouais, c'est vrai. Le Chris Express n'a jamais été autant utilisé, c'est grave. C'est clair. C'est grave aussi. Salut Amir.
Ami Louche 29. Il sert à quoi le livre? En gros, le livre, quand je vais gagner de l'XP, ça va réparer ma pioche ou mon épée ou mon stuff. En gros, ça permet de réparer parce que tu vois là, il y a des. Bon, bref. Il y a de la durabilité. Donc j'ai raccommodage, c'est cool, j'ai efficacité 4. Ça c'est cool du coup, c'est très cool. Mais les gars, je vais arrêter le stream là finalement, tu voyais. Tu vois, j'ai dit ouais jusqu'à 23h et tout, au final non. Je vais arrêter le stream là. De toute façon, on se revoit demain. Je réfléchis. Ah, bah, qu'est-ce que ça fait là? Oh non. Mais Rafale, il stream toujours. Je vais vous envoyer chez Rafale du coup. Non, non. Mais je suis là demain. Demain, pareil, je suis là. Ça va être très cool.